to the world. Pas. Non, sûrement pas. USB. Non, computer 2, ça va bien ça. Do you copy? Bon, ça marche. Non, c'est épouvantable, vous n'arrivez pas à lire là, n'est-ce pas? C'est affreux. Mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas pour tout de suite de toute façon. Pardon? Le texte, d'accord. Ouais. Mais bon, je ferai ma capture. Il faudra pas oublier de mettre la capture vidéo. Bonjour. Décidez de vous motiver. J'en ai pas trouvé au café. Mais hein? Ça vient de changer sur le focus, on devrait passer 3-4 heures de cachet. Non, pas 4 heures. De 9. Oui, d'accord, oui. Au lieu de 4h30. Normalement, c'était 4h30. Je pense que c'était 3 heures. Oui, mais bon, il y a eu un souci. Bref. Tiens, Clément, t'as l'air super content de m'avoir pendant plus longtemps. Ça commence par toi. Bon, tant pis. Bonjour, donc. On va commencer à progresser vers l'application du cours théorie des langages, vers quelque chose qui sera plus la pratique. Et on va commencer à vraiment travailler sur des parseurs, les scanners et toutes ces choses-là. Mais avant de poursuivre, il y a un certain nombre de choses, enfin de complétions à faire sur ce qu'on a déjà commencé. En particulier, vous vous souvenez, on a commencé à travailler sur les conflits shift-reduce et à réfléchir aux différents scénarios. Les conflits shift-reduce, sincèrement, regardez-les tous comme des conflits reduce-shift. Mettez le reduce à gauche et mettez le shift à droite. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'on pouvait avoir des situations comme par exemple celle-ci. On pouvait avoir des situations comme celle-ci où on a un conflit shift-reduce. D'accord ? Quand on construisait notre automate LR1, quand on était en train de suivre toutes les... Quand on était en train de suivre les transitions possibles dans notre automate, on aboutissait à certains états qui contenaient des conflits shift-reduce comme celui-ci. Là, vous avez un conflit où on a la règle du plus qui appelle la réduction et on a le token étoile qui appelle le shift. D'accord ? Est-ce que j'ai besoin de redessiner l'automate LR1 ? Si vous voulez le revoir, on pourra le revoir tout à l'heure sur écran. Mais on avait des conflits comme celui-là. Et on avait réfléchi au fait que ce conflit shift-reduce, encore une fois, c'est quelque chose que je vous demande de bien garder en tête, c'est un conflit qui est asymétrique. On a d'une part une règle qui appelle la réduction et d'autre part on a un token qui appelle le shift. C'est vraiment asymétrique au sens où on a un conflit entre une règle et un token. D'accord ? Ben, toujours est-il que ce conflit parle de deux interprétations possibles de cette phrase. On est au courant, on avait décidé qu'on allait travailler sur une grammaire ambiguë, c'est quand même notre point de départ. On sait parfaitement que l'arithmétique écrite ainsi on savait parfaitement que c'était une grammaire ambiguë, donc heureusement il y a des conflits, on s'y attendait. Mais ces conflits ici parlent de la recherche entre les deux sens qui sont possibles. La réduction dit, eh bien maintenant, on va réduire le E plus E comme étant un E,
et ensuite il y aura le fois num qui arrive. Tandis que le shift dit, on garde le plus e, mais on amène le fois. Si on amène l'étoile, alors après on va rapatrier num. Num, on va le réduire comme étant une expression. Hein, là on fait une réduction de la règle numéro 3. Ici, on va avoir une réduction de la règle numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir une réduction de la règle numéro 1, à savoir E. Tandis que de l'autre côté, si on continue, on va avoir le E fois num, puis le E fois E par une réduction de la règle numéro 3, puis enfin ici, un E, réduction de la règle numéro 2. D'accord ? Évidemment, si on prend l'arithmétique traditionnelle avec l'étoile qui dénote la multiplication et le plus qui dénote l'addition, on va préférer laquelle des deux ? Shift ou reduce ? Shift, bien entendu, puisque l'on voit ici le fait que la réduction de l'étoile est faite d'abord et ensuite la réduction sur le plus, on est indiscutablement en train de faire un arbre de dérivation qui ressemble à ça. C'est-à-dire, on a bien donné priorité au produit. Alors que l'arbre de dérivation qui se cache là derrière, on a le E plus E qui est déjà réduit et c'est ce E-là. Le E plus E est réduit dans ce E-ci, et ce E-ci est en dessous de l'étoile. Donc, on a ici un arbre de dérivation qui est celui-ci. D'accord ? Donc là, c'est très facile de constater qu'on veut absolument faire la réduction. Ce dont on avait déjà discuté, c'est le fait que, ok, très bien, on a envie de dire que dans l'état 4, j'en sais rien, mettons qu'on soit dans l'état 4, j'ai un conflit shift-reduce et je veux que ce soit le reduce qui l'emporte. C'est pas une bonne façon de faire parce que l'état 4, c'est quelque chose qui peut changer dès que je chatouille un tout petit peu ma grammaire. L'état 4, il va devenir l'état 42 ou que sais-je. C'est une très mauvaise façon de s'exprimer. La bonne façon de s'exprimer, c'est d'essayer de gagner de l'indépendance par rapport à l'aspect matériel, à l'aspect aléatoire, si vous voulez, l'aspect implémentatoire de mon automate, et à s'exprimer en fonction de ma donnée, et la donnée, c'est la grammaire. La grammaire, on a évidemment une règle qui, ici, porte naturellement le nom de plus, parce que elle contient un token plus. La deuxième, elle porte naturellement un nom, à savoir l'étoile, et la troisième, elle porte naturellement un nom, à savoir num. Une règle, à partir du moment où il y a des terminaux dedans, on peut considérer qu'elle a un nom par défaut. On pourrait lui donner un nom d'une façon explicite, mais là, elles ont un nom par défaut, plus, fois et num. Par conséquent, ici, on se retrouve avec un conflit entre la règle plus et le token étoile. Et ce qu'on a envie d'exprimer, c'est le fait que si j'ai la règle du plus qui se bat contre le token étoile, c'est le token qui doit gagner. D'accord ? Ce qu'on avait déjà dit comme étant la règle du plus est moins forte que le token étoile. Et quand on réfléchit à toutes les situations, si ici par exemple je mets étoile, je vais commencer par l'autre, excusez-moi, on va plutôt mettre, oui, je vais mettre étoile ici et je vais mettre plus là. Là cette fois-ci, évidemment c'est la réduction qui doit l'emporter, de façon à parenthéser sur l'étoile et ensuite seulement sur le plus. Donc on va avoir le fait que le token plus est plus petit que la règle étoile. Ça, globalement, on voit très bien qu'on a envie de dire que plus est moins prioritaire que l'étoile. D'accord ? Ce qu'il faut absolument que vous compreniez, parce que si vous regardez l'Internet et des cours d'explication de comment on résout les problèmes d'associativité et de priorité sur des opérateurs avec des générateurs comme Yak, Bison et toute la famille LR, on va vous donner l'impression que vos outils savent ce que c'est que la priorité, savent ce que c'est que l'associativité. Ils en ont rigoureusement aucune idée, aucune. Ça n'a pas de sens pour eux. La seule chose qu'ils cherchent à faire, ces outils, c'est résoudre des conflits shift-reduce. Il se trouve que si on dit plus et moins prioritaire qu'étoile, ce sera interprété comme le token plus est moins fort que la règle étoile et la règle plus est moins forte que le token
étoile, et qu'au moment où on aura un conflit entre cette règle et ce token, ou ce token et cette règle, alors on saura choisir qui l'emporte. Ce qui donnera l'illusion d'avoir exprimé une question de priorité, mais c'est plus fin que ça. Pourquoi j'insiste sur ne pas bêtement retenir? C'est facile, hein. Je dis que le plus est prioritaire sur l'étoile et ça va tout résoudre. Parce que vous allez découvrir que ce mécanisme de pouvoir donner des priorités à des règles versus des tokens, c'est un mécanisme qui va nous permettre de résoudre d'autres types de conflits que simplement ceux des opérateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part c'est un constat d'échec de la méthode LR, qui est de vous dire, si vous ne comprenez pas comment ça marche en dessous, alors en fait ce que vous exprimez d'un point de vue abstrait, vous ne le maîtrisez pas et vous n'allez pas savoir ce qui se passe pour de vrai. C'est quelque part un défaut, hein. Enfin, c'est indiscutablement un défaut. Si vous avez une méthode, finalement, qui vous propose des choses abstraites, mais après on vous dit, vous savez, si vous ne comprenez pas les détails d'implémentation, vous ne comprenez pas ce que vous faites, c'est que le niveau d'abstraction n'est pas très bien réussi. Donc d'abord, constat d'échec. Juste se contenter de comprendre le niveau le plus haut n'est pas suffisant pour des gens comme vous, pour des épitéens. Honnêtement, la large majorité des gens qui servent de YAC et les autres, ils peuvent très bien s'arrêter là, ça leur suffira. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que justement, en comprenant bien l'aspect implémentatoire et qu'est-ce qui se passe pour de vrai, ça va vous permettre de gérer des problèmes que les autres sont incapables de gérer et vous allez pouvoir les gérer d'une façon très élégante en utilisant l'expression de priorité relative entre règles et tokens. D'accord ? Donc première chose, c'est quand j'ai deux tokens qui sont de nature différente, de priorité différente, il me suffit de conférer une certaine priorité à la règle et une certaine priorité au token pour dire qui doit gagner. Et en prenant la convention qu'une règle porte le nom de son dernier token, alors il ne me reste plus qu'à exprimer des priorités purement entre tokens. Sachant, je le redis une dernière fois, sachant que même si vous avez exprimé des priorités entre tokens, la réalité, c'est que vous exprimez une priorité d'une règle face à un token. D'accord ? Bon, il reste là-dedans les deux autres cas, à savoir plus contre plus. Ou étoile contre étoile, c'est la même chose. Mais là, à nouveau, indiscutablement, on voit bien que si on promeut la réduction face au shift, eh bien, on privilégie le parenthésage à gauche, autrement dit l'associativité gauche de mon opérateur. D'accord ? Donc, à nouveau, on peut comprendre le fait que quand je dis la réduction du plus, ou plutôt je vais le dire dans l'autre sens, enfin, si je dis que le token plus est moins puissant que la règle plus, j'exprime l'idée que je veux de l'associativité gauche. Je privilégie la réduction. Ce qu'on va naturellement abréger comme étant, avec, maintenant là je commence à franchement rentrer dans la syntaxe YAC, on va l'exprimer en disant plus est associatif à gauche. Mais encore une fois, tout le monde voit bien que quand j'ai dit ça, je n'ai pas parlé d'associativité, c'est l'impression que j'ai, et c'est une impression réussie, c'est plutôt une belle façon de le dire, mais ce que ça signifie profondément, c'est si jamais j'ai une règle plus contre un token plus, c'est la règle qui l'emporte. D'accord ? On a aussi envie de dire exactement la même chose pour l'étoile. Et en écrivant ça, on a exprimé non pas simplement deux choses, à savoir l'associativité de plus et de l'étoile, mais quatre choses. On a affirmé les deux associativités et étant donné que les priorités vont croissantes en descendant, on a aussi affirmé que plus est moins prioritaire que l'étoile, c'est-à-dire qu'on a aussi exprimé les résolutions des deux autres conflits qui sont ici. D'accord ? Ces deux annotations, left plus, left étoile, permettent de résoudre les quatre conflits qui sont étoile contre étoile, plus contre plus contre étoile ou étoile contre plus. D'accord ? Bien. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit ? C'est plusieurs actions dans une seule case de mon parseur. Quand mon parseur dit « je suis dans tel état et il y a tel lookUL qui arrive », je veux faire plusieurs choses, c'est ça un conflit. Quand il y a plusieurs actions dans une case.
Si vous avez un conflit shift reduce dans une case, je vous ai montré deux façons de résoudre le conflit. Soit je garde le reduce, soit je garde le shift. Il y a encore une autre possibilité. La réponse est super simple et elle vaut un bonbon. Un conflit, c'est quand j'ai plus d'une action dans une case. Je vous ai montré, quand on a un conflit shift et reduce, deux résolutions. Je garde le shift, je garde le reduce. Quelle est l'autre possibilité? Disons que ça, c'est le point de départ. C'est au départ, l'outil pète une erreur. C'est pas tout à fait ça, on en parlera par la suite. Il fait un warning en disant « Ouais, j'ai choisi pour toi, j'espère que c'est bien ce que j'ai fait. » Vous imaginez la panique, quoi. Hein. Je suis sérieux, c'est vos outils, là, si vous leur dites rien, les yaks et les bisons, si vous leur dites pas d'être méchant avec vous, enfin, plutôt d'être strict avec vous, ils vont être méchants avec vous. C'est-à-dire, ils vont faire un choix, le shift, c'est toujours le shift qui l'emporte. Mais sans avoir réfléchi à ce que ça voulait dire, imaginez la panique. Bon, il n'y a personne qui veut de bonbons, là. Et ma question, c'est des questions que je posais à mes enfants quand ils avaient 3 ou 4 ans pour essayer de leur faire pousser la logique. Hein. Alors, je disais pas shift reduce, je disais il y a deux billes dans un bol. T'as pas le droit d'avoir deux billes dans un bol. Quelles sont les différentes solutions? Mais c'était la même chose. Et ils ont gagné leurs bonbons, hein. Ouais, bravo! C'est qui l'a dit? Hop, pardon. Ouais, quelqu'un d'honnête, c'est bien. Oui, évidemment, l'autre possibilité, on n'est pas loin de ce que tu disais en fait, c'était peut-être ça que tu voulais dire d'ailleurs. J'avais pas compris, excuse-moi. L'autre possibilité, c'est de n'autoriser ni le shift, ni le reduce. En disant la case, je la laisse vide. Et alors ça veut dire quoi? Par exemple, si ici, je décrète, il n'y a ni le reduce ni le shift quand j'arrive dans le conflit, dans un état où j'ai la règle du plus qui est prête à être réduite et le plus qui est prêt à rentrer, ça veut dire quoi? Pour votre langage. Ça veut dire que ça fait syntaxe erreur, tout à fait. Mais concrètement, ça veut dire, caractérisez-moi, ça veut dire quoi syntaxe erreur ici? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? On n'a pas le droit de faire. Pas le droit d'avoir un opérateur plus qui est immédiatement derrière un opérateur plus. D'accord? Autrement dit, on interdit des phrases telles que 1 plus 2 plus 3. Bon, évidemment, si je mets plus, c'est un petit peu aberrant. Un petit peu désagréable de prétendre supporter l'arithmétique, mais on n'a pas le droit d'enchaîner 2 plus. Vous voyez pas des opérateurs où ça aurait du sens de dire ben non, mais t'as pas le droit de les chaîner? Pardon ? Ouais, l'opérateur plus plus, il n'est pas binaire, donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, on a un autre problème. La puissance, c'est pas. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que la puissance soit associative. Bon, prenez par exemple, je sais pas moi, un truc du genre 3 inférieur à 2 inférieur à 1. D'accord ? L'opérateur inférieur. Est-ce que 3 est plus petit que 2 et plus petit que 1 ? Ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, évidemment c'est faux. Il faudrait vraiment être dégénéré pour s'imaginer que cette chose-là soit vraie, n'est-ce pas? Alors imaginons un instant, hypothèse purement d'école, imaginons un langage de programmation qui décrète, tu sais, inférieur, il est associatif à gauche. Deuxième chose, tu sais les booléens, c'est des entiers. Il y a 0 et il y a 1. Auquel cas, vous auriez un langage de programmation qui interprète ceci comme cela. 3 est évidemment pas plus petit que 2, donc il interprète ceci comme cela. Oh. Qui est vrai, lui. D'accord? Donc, si vous vous amusez à faire un truc comme ça dans un langage, mettons le C, le if va s'exécuter. Dans le C, ils ont décrété que les opérateurs de comparaison, que ce soit inférieur, inférieur ou égal, ou différent, égal, égal, tous ces gens-là, ils sont associatifs à gauche. Non, vous imaginez, quoi, égal, égal. Hein. C'est if x égal, égal, y égal, égal, z. Alors, attends, ça veut dire
je teste si x est égal à y, et je regarde le 0 ou le 1 qui est la valeur de vérité de ce machin-là, je le teste par rapport à z. Ça commence à être vachement compliqué de comprendre ce que ça fait. Et c'est pourtant ça que vous avez dans votre langage. D'accord ? Alors sincèrement, si vous aviez un langage de programmation dans lequel vous autorisiez les utilisateurs à écrire des choses comme ça, un langage de programmation dans lequel vous autorisez les gens à écrire x plus petit que y plus petit que z, quelle est la bonne interprétation ? La seule vraie, celle qui ne va pas tuer des gens en leur faisant croire des chimères. Oui, je t'écoute. Exactement. On a envie que ça signifie x inférieur à y et y inférieur à z. Cela dit, si votre langage de compilation, il transforme ça, enfin, si votre compilateur, il transforme ça en ça, pour n'importe quel x, y et z, c'est pas bon non plus. Quand je dis n'importe quel x, y et z, je pense à des expressions. Je ne parle pas de n'importe quel nom de variable, bien sûr. En particulier, il n'y a rien qui empêche d'imaginer qu'en réalité, y, ce que j'ai symbolisé par y ici, soit un appel à une certaine fonction f de y. Et quelle différence entre faire ça et ceci ? Pourquoi c'est pas bon ? Pourquoi il n'est pas bon qu'un compilateur s'amuse à transformer x inférieur à f de y inférieur à z en x inférieur à f de y et f de y inférieur à z. Je n'ai pas entendu. En fait, il y a énormément d'écho, mais je crois que j'ai compris ce que tu disais et je ne vais pas commencer par ça. La première des réponses que vous pourriez me dire, c'est ben, on l'appelle deux fois, donc évidemment, le code n'est pas optimal. Le code n'est pas optimal. C'est une évidence, si f est très coûteuse. Cela dit, ça, on s'en fout, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on est quand même en train de parler. Je n'ai pas précisé si on était dans un langage pur ou pas, mais si on est dans un langage qui n'est pas pur, si on est dans un langage dans lequel on a le droit aux effets de bord, f de y peut afficher un message, auquel cas ici il est affiché deux fois, ou f de y peut modifier y, auquel cas les deux appels sont complètement différents, c'est pas bon du tout. Donc la bonne traduction c'est quoi ? La bonne traduction de ceci, ça devrait être quoi ? La bonne solution c'est évidemment, je me prends une variable temporaire grand Y, qui vaut f de y, d'accord ? Et puis ensuite, je traduis le reste par ceci. Tout le monde est d'accord ? Oui ? C'est faux. Y, il a le droit d'être n'importe quelle expression, mais il n'est pas le seul. Hein. Si vous voulez respecter vos utilisateurs, il y a quelqu'un d'autre qui est important. Après, ça va dépendre de la sémantique que vous donnez à votre langage. Et si vous regardez le C, il a une sémantique qui n'est pas hyper... Enfin, j'en reparlerai après. Mais ici, si vous essayez de faire un langage qui est sympa avec les utilisateurs, il y a quand même un autre souci. Non, non. Là-dedans, qui est le premier à être exécuté ? X, là-dedans, qui est le premier à être exécuté ? Y. Ben, ça y est, s'il y a des effets de bord dans X et des effets de bord dans Y, vous venez de changer la sémantique de l'expression, du programme. Imaginez qu'ici, ce soit f de X. Ben, évidemment, il faut commencer par exécuter X avant d'exécuter Y. Donc, il faut commencer par faire X est égal à f de X. Et ensuite, vous faites ça. D'accord ? Et là, vous commencez à respecter vos utilisateurs et à faire des traductions qui vont dans un sens qu'ils peuvent comprendre. Ben ça, c'est ce que font des langages tels que Python qui acceptent le fait que vous écriviez ça. Et ensuite, il y a quand même du travail pour que, d'un point de vue exécution, ça se passe comme l'utilisateur a envie que ça se passe. Maintenant, en C, si vous vous amusez à faire des machins comme ça,
vous commencez à nager totalement dans le undefined behavior parce que le C ne vous dit pas dans quel ordre il va évaluer les différents arguments. D'accord ? Si vous faites des trucs vraiment funky, parce que vous avez vraiment envie de vous faire taper dessus, vous vous amusez à faire des trucs du genre... ça, c'est j'appelle F en lui donnant le retour de get C, get C, get C. Vous n'avez aucune idée dans quel ordre les get C vont être faits. Et quand je dis aucune idée, ça peut commencer par le milieu, puis faire celui-ci, puis faire celui-là. D'accord ? C'est quand même assez sympathique. En C++, ils ont décidé que c'est trop de bordel de ne pas savoir dans quel ordre les choses vont se faire. Donc ils ont décidé de normaliser, c'est récent, hein, c'est C++17, ils ont décidé de commencer à normaliser des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il y a certains compilateurs qui exploitent le fait qu'il y ait de l'undefined behavior pour essayer de faire des optimisations derrière, pour choisir l'ordre dans lequel les choses sont les plus intelligentes et, par exemple, consomment le moins de registres possible. Auquel cas, d'imposer toujours que ce sera de la gauche vers la droite, c'est trop extrême. Donc en C++, ils ont dit, ça, c'est ou bien de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, mais on ne va pas commencer par le milieu. Donc il maîtrise un petit peu en vous disant que ça ne va pas aller dans n'importe quel sens, mais en même temps ça peut aller dans un des deux sens. Ok, ça c'était juste pour pouvoir commencer à bitcher sur le C, un langage d'avenir qui a plus de 45 ans. Hein. Donc en C, ils ont décrété que ceci s'interprète comme... comme cela. D'accord ? Imaginez que vous soyez Richie et que vous décidiez que non, je veux pas ça, c'est idiot d'écrire ceci. Pour toutes les raisons que je viens de vous montrer. Soit parce que ça commence à être des fonctionnalités de vraiment haut niveau que de traduire ceci en ce que l'utilisateur voudrait, et le C nous a pas réellement habitués à faire des efforts de haut niveau pour faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Soit vous faites en sorte que au moins les utilisateurs arrêtent de prendre les pieds dans le tapis dans cette fonctionnalité. Et là, il suffit de dire, bah, si jamais il y a un conflit shift-reduce de cette nature, je veux ni le shift ni le reduce. Ça peut se dire avec non-asoc. Si vous dites que tous mes opérateurs de comparaison sont non-associatifs, enfin bon, vous ne pouvez pas le dire comme ça, parce que là, ce n'est pas un simple caractère, donc je ne vais pas le faire comme ça. On va faire less or equal. Si vous commencez à exprimer que vos opérateurs sont non associatifs, vous interdisez à l'utilisateur d'écrire des choses comme ceci. Et il ne se fera pas piéger. Et là, il y en aura toujours normalement quelqu'un qui va trouver l'idée « Mais non, mais pourquoi tu m'interdis d'écrire ça ?» Dans mon cas, j'avais une super optimisation qui me permettait de tester exactement ma condition en écrivant ça pour signifier ça. Et tu viens de m'interdire de le faire. Parce que là, vous lui dites, bah, ok, d'accord, ça, tu n'as plus le droit de l'écrire, mais ça, tu as le droit de l'écrire. Donc, si c'était ça que tu voulais dire, t'écris ça, et puis on comprendra que tu as quand même des idées vachement tordues dans ta façon de programmer, mais on ne t'a pas interdit d'écrire ça. Et ça va très bien marcher parce que c'est pas un conflit shift-reduce là-dedans. Il y a les parenthèses entre les deux. Les parenthèses, il y a longtemps qu'elles ont fait leur reduce avant qu'on se mette à traiter le inférieur qui est derrière. Donc on n'a plus un conflit entre la réduction de la règle de l'inférieur versus le shift du token inférieur. Ici, on a une réduction de la règle des parenthèses face à l'inférieur, et là, il n'y a rien dans notre grammaire qui interdit quoi que ce soit. Donc on peut continuer d'exprimer cette idée, sauf que maintenant, on est obligé d'être explicite sur le fait qu'on est un petit peu tordu dans l'idée qu'on a envie d'exprimer. D'accord ? Donc vous l'aurez compris, moi je ne comprends pas, c'est... honnêtement, sincèrement, je ne sais pas ce qui leur a pris de garder ça dans le C, de mettre tous les opérateurs en associatif à gauche. Quoi. Ils sont tous associatifs à gauche. Y a-t-il des questions sur tout ça ? Bon, si on faisait un petit peu de live coding du coup. Il y a quelque chose que j'aurais voulu vous montrer sur la grammaire des L-values.
Oui. Merci. Est-ce qu'il y a moyen... Alors d'abord, on va faire tout de suite ça. Peut-être qu'il faudrait que je change... Excusez-moi. C'est les computers 2, je pense. Ça va, vous arrivez à lire? Non? Alors là, pour... Le mieux, c'est peut-être que je change la résolution. Cette fois-ci, vous arrivez à lire? Ça va? Bien. Voilà la grammaire sur laquelle on avait travaillé la fois dernière. Vous la reconnaissez? C'est, on l'avait écrite d'une façon différente. On avait dit un statement, c'est ou bien une expression, ou bien... on n'avait pas mis des deux points, excusez-moi, on avait mis des flèches. On avait écrit les choses comme ça. Un statement, c'est ou bien une expression, ou bien affectation entre L-value et expression. Une expression, c'est quoi? C'est une L-value. Une L-value, c'est quoi? C'est un identifiant. Ou une L-value, ça peut être étoile face à une expression. Vous vous souvenez, c'est un petit morceau du C qui s'intéresse à les L-values qui sont du type pointeur sur expression. Là-haut, je l'ai réécrit dans une syntaxe qui est la syntaxe utilisée par YAC. La première des choses que vous devriez remarquer, c'est que les matheux écrivent leurs noms terminaux en majuscules, nous on les écrit en minuscules. Et en réalité, quand on utilise des terminaux, on les écrit en majuscules, d'habitude. D'accord ? Alors, c'est pas rien que pour faire le contraire de ce que font les matheux. C'est parce que les informaticiens, ils ont une convention depuis super longtemps qui est que, en gros, les énums ou les dièse-define pour les plus anciens d'entre vous, on les écrit en majuscules. Les valeurs constantes, elles sont écrites en majuscules. Et si vous regardez une grammaire comme ça, indiscutablement, une étoile ou un identifiant ou des choses comme ça sont des valeurs terminales. On les met en majuscules parce que ça va correspondre à des types entiers. En revanche, les gens qui sont dynamiques, on les écrit d'habitude en minuscules, et ce sont les noms terminaux. Donc il y a une première différence que vous allez rapidement voir entre faire de la théorie des langages en pratique et faire de la théorie des langages en abstraite, c'est qu'on inverse le rôle des majuscules et des minuscules. Bon, cela étant dit, c'est pas difficile d'arriver à lire quelque chose comme ça. On voit très bien que j'ai toujours ma partie gauche qui est à gauche. Le séparateur qui est utilisé, c'est un point virgule, c'est un deux points et non pas une flèche. Et si vous voulez faire les choses bien, vous terminez vos séquences de règles par des points-virgules aussi. On en parlera par la suite. Bon, là, en l'occurrence, je vais préférer utiliser les doubles guillemets qui expriment aussi des terminaux, mais c'est juste plus agréable à lire. D'accord ? Vous reconnaissez cette grammaire ? Oups ! Vous reconnaissez cette grammaire ? Alors maintenant, je vais vouloir la compiler. Normalement, j'ai un... Voilà. Je vais utiliser Bison pour compiler ma grammaire, elle s'appelle lvalue.yy. Je lance Bison, il termine sur vert, il dit qu'il est content, etc. Il m'a fabriqué un parseur. Bon, ça ne m'intéresse pas, on n'en est pas encore là. Ce que je voudrais, c'est qu'il me fasse un graphe, et on va appeler ça lvalue.gv. D'accord ? Et en fait, non. Je vais d'abord faire un truc. lr.type. Je vais lui dire, je veux qu'on fasse du lr1. Canonical LR, c'est la façon de dire à Bison, je veux faire du LR1, et puis après je vais lui demander de me mettre, on verra Reporto en détail par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que ça s'appelle LValueGV. Hop. Est-ce que je peux faire partir? Voilà notre automate LR1. Tels qu'on les fabriquait à la main, enfin on. Certains d'entre nous les fabriquaient au tableau à la craie, d'accord.
Vous reconnaissez, bah, par exemple, ici, il appelle état 7, nous, chez nous, c'était régulièrement l'état 2, mais vous voyez la règle 0, la fameuse règle 0 ici, qui dit que ce que je dois rechercher dans mon flux d'entrée, c'est statement, l'axiome utilisateur, le start symbol de l'utilisateur, c'est statement, mais Bison a embarqué ça dans la règle 0 qui dit il faut chercher statement suivi de end of file, qu'il appelle $end, et ça, ça fait un certain symbole qui s'appelle $accept. D'accord ? Il met un dollar devant les symboles que lui insère. Nous, utilisateurs, n'avons pas droit à des symboles qui commencent par dollar. C'est une façon de faire chacun chez soi. Donc là, vous reconnaissez la règle qui dit, bah, une fois que tu es arrivé là, la règle pointée, le point est ici, une fois que tu es arrivé là, tu fais l'acceptation. Est-ce que quelqu'un est perdu là-dessus ? Ensuite, on peut voir, par exemple, l'état numéro 6 ici. Il correspond au fait qu'on a vu l'étoile, on a vu le L value, et derrière il peut y avoir dollar, end of file, hein, il peut y avoir dollar ou égal. Il dit dans ce cas-là, tu fais réduction de la règle 5. Tout le monde d'accord ? Est-ce qu'il y a un autre R5 quelque part ? Regardez, ici, on a l'état 13 qui dit, dans la règle L value me donne étoile, L value, je suis arrivé au bout, et derrière il y a juste end of file, auquel cas il faut faire une réduction de la règle 5. D'accord ? Juste pour remonter dans le passé, mon état 0, c'est quoi ? L'état 0, c'est mon point est devant la règle 0, c'est-à-dire devant statement suivi de end. Ce qui veut dire, étant donné que mon point est devant statement, je peux être devant une expression ou devant L value égale expression. Comme mon point ici, il est devant une L value, pardon, comme mon point ici, il est devant une exp, je peux être devant la règle de exp, c'est-à-dire mon point est devant L value. Comme mon point est devant L value, ça veut dire que je peux être devant les deux autres L value, etc. Vous reconnaissez tout ça ? Bon, alors si vous avez reconnu tout ça, remarquez que l'état 13 et l'état 6 sont identiques en termes de règle pointée. Ils disent tous les deux, tu es arrivé au bout de la règle, son nom est ici, hein, son numéro est là, tu es arrivé au bout de la règle 5, l'un qui dit sur dollar est égal, l'autre qui dit sur dollar seulement. L'état 11, par exemple. L'état 11, il dit, tu es en bout de règle numéro 4 sur end. L'état 1, il nous dit, tu es en bout de règle 4 sur dollar est égal. Là, on a à nouveau deux états qui sont très proches, ils sont la même chose, à l'exception des lookahead. On a quoi d'autre? Cherchons. Il y en a d'autres qui se ressemblent comme ça. Ici, l'état 4, il me dit statement me donne expression, la règle 1 est complète, sur dollar. Alors, je cherche un autre R1. Il n'y a pas d'autre R1. Donc, peut-être pas R1. Ok, pas R1. R3 dans ce cas-là. Oui, R3. Ici, l'état 10 me dit la règle 3 est complète sur dollar. Alors, ce n'est pas la même chose que l'état 4. Hein. On ne peut pas considérer que 10 et 4 soient identiques. L'état 10 ne parle que de la règle numéro 3. L'état 5, il parle aussi de la règle numéro 2. Il n'est pas question de les confondre. Il ne parle pas des mêmes jeux de règles. D'accord ? En revanche, il doit y avoir un autre R3 quelque part. Il me fait mentir, salopard. Il doit y avoir un autre R3 que j'ai pas vu là, non ? Bon, bah désolé. Au moins, je vous ai montré un endroit où il ne faut pas confondre. Mais si on regarde, on a vu que l'état 9 qui parle de R2 ainsi que... j'ai perdu mes états. Qu'importe. On va en prendre juste deux, d'accord ? Les états 11 et 13, on peut parfaitement les fusionner avec les états 1 et 6. Pourquoi on peut les fusionner ? Parce qu'ils parlent des mêmes règles pointées, à la différence du fait qu'il y ait des lookahead qui soient différents, des follow locaux qui sont différents. C'est assez sauvage ce que je suis en train de vous raconter là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et si on s'autorisait à confondre
des états, et si on s'autorisait à confondre des états qui parlent des mêmes règles pointées mais qui n'ont pas les mêmes look-ahead. On est en train de faire une sorte de compression avec perte. Parce qu'on a deux états qu'on a considérés comme étant différents, ils sont différents. LR1, il a suivi les look-ahead et il a découvert qu'on avait deux jeux de look-ahead qui étaient différents pour ces états. Et on se dit, et tiens, et si on se permettait de les fusionner ensemble? Alors là, il peut y avoir plusieurs scénarios. Soit quand vous les repliez, soit quand vous commencez à confondre ces deux états, vous introduisez des conflits. C'est possible. On verra des exemples plus tard où ça introduit des conflits. Dans ces cas-là, c'est toujours des conflits reduce-reduce, c'est-à-dire deux règles qui cherchent à être réduites en même temps. On ne fait jamais rentrer de conflits shift-reduce. C'est pas possible. Vu la méthode, c'est pas possible que ça crée des conflits shift-reduce. Mais si ça crée des conflits reduce-reduce, ça veut dire que le parseur que vous avez créé en fusionnant les états qui se ressemblent ne marche pas. Et c'est évident, puisqu'on a des conflits. D'accord ? En revanche, et honnêtement, pour moi c'était une sacrée surprise, si quand vous repliez ça n'introduit pas de conflit, le parseur que vous obtenez, il parse exactement le même langage. Ce qui pourrait être vachement surprenant, parce que on se dit qu'on avait deux états, et donc des parseurs qui cherchaient à distinguer des situations différentes, et le fait de les rassembler, le fait que ça continue de marcher, c'est quand même un peu étonnant. Bon, ça continue de marcher aussi parce que les deux états disent la même chose, hein. Ils disent tous les deux, il faut faire une réduction. En pratique, non seulement vos parseurs, ils vont continuer d'accepter exactement le même langage, mais ils vont aussi détecter les parse-erreurs au même endroit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus en train de créer un parseur qui va accepter de continuer de parser dans des situations invalides et découvrir plus tard qu'il a tort. Ce qui serait un problème, parce qu'on serait en train de dire à l'utilisateur, tiens, il y a une parse-erreur ici, alors qu'en réalité, elle est là. On a des parseurs qui continuent d'avancer. On dit qu'ils ont la propriété du plus long préfixe viable. Ce sont des parseurs qui vont continuer de parser jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et c'est au moment où ils découvrent qu'ils ne puissent plus qu'ils disent, ici, il y a une parse-erreur. Il se pourrait très bien que vous ayez oublié un token ou que vous ayez rajouté quelque chose auparavant et que la vraie nature de l'erreur, elle est ici. Hein? Si, par exemple, imaginez un langage de programmation dans lequel vous ayez oublié de mettre... Vous avez écrit entre parenthèses x plus petit que y. Ben ça, x plus petit que y, c'est une expression valide. Mais après, il y a un bloc de code qui arrive. Ben, l'erreur, c'est surtout que vous avez oublié de mettre le if, qui légitime le fait qu'il y ait un bloc de code qui arrive là. Mais pour le parseur, il va quand même considérer que oui, on sait, c'est valide d'écrire une expression entre paires de parenthèses. Ce qui est invalide, c'est que cette expression entre paires de parenthèses soit suivie d'une accolade ou d'une instruction. Donc on a la propriété du plus long préfixe viable, qui est qu'on va aller aussi loin que possible dans l'analyse de votre texte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune interprétation qui soit possible. Ça, on a toujours cette propriété. La seule petite différence qu'il peut y avoir entre les parseurs qui fusionnent les états et ceux qui ne les fusionnent pas, c'est qu'il peut y avoir éventuellement quelques réductions supplémentaires qui seront faites. Mais les réductions n'avancent pas le curseur de lecture. Donc votre parseur, il va quand même continuer un petit peu plus loin dans sa tentative désespérée de comprendre ce que vous racontez, avant d'abandonner et de vous dire parse erreur, mais il vous dira toujours parse erreur au même endroit. Vous m'avez suivi là ? Là, on a un automate. En réalité, Bison, il triche ici. En réalité, il faudrait plus d'états que ça. C'est pour ça que si on fait le calcul à la main, on découvre qu'on a 4 paires d'états qu'on peut fusionner. 4 paires. Pas seulement 2. Ici, il n'en trouve que 2. C'est parce qu'il ne fait pas du vrai LL1. Du vrai LR1, excusez-moi. Toujours est-il que si je retire le fait de lui demander de faire du canonical LR, il va faire un autre type de parseur. Et alors là, regardez cette fois-ci, s'il voulait bien me montrer. Cette fois-ci, on a un parseur qui a moins d'états. Regardez, ici, je n'ai qu'un seul état qui fait la réduction de 4. Je n'ai qu'un seul état qui fait la réduction de 5.
par opposition à ce qu'on avait vu auparavant, où il y avait deux états qui se chargeaient de R5 et de R4. C'est précisément le mode que je suis en train de vous expliquer, dans lequel on va replier des états qui sont identiques modulo le lookahead. Le mode par défaut de Yak ou le mode par défaut de Bison, c'est de faire des automates dans lesquels on va fusionner les états dont les lookaheads sont différents. C'est exactement ça qu'on appelle LA-LR1. LA-LR1, c'est vous faites un automate LR1 et dès que vous avez deux états qui parlent des mêmes règles pointées, mais en revanche les lookaheads sont différents, ben vous fusionnez les deux états en faisant évidemment l'union des lookaheads. D'accord ? Vous faites l'union des lookaheads. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? L'automate qu'on obtient, il a la morphologie de quoi comme automate ? Si on fait un automate LR1, c'est-à-dire un automate qui, pour chaque règle pointée, se pose la question de quel est le lookahead immédiatement derrière. Quand je dis le lookahead, il peut y en avoir plusieurs, mais il ne fait pas du LR2 du genre chercher les deux tokens suivants. C'est, on cherche une règle pointée et je fais la liste de tous les lookaheads, tous les 1 lookahead qui peuvent apparaître derrière ma règle. Ça, c'est l'automate LR1. À partir du moment où vous fusionnez les règles, les états, pardon, où vous fusionnez les états qui sont identiques sur les règles pointées, mais différents sur les lookaheads, on est en train de construire l'automate. Ça mérite un moment. La réponse est... juste réfléchissez bien à la question. Hein. Qu'est-ce que c'est que LR0, par exemple ? LR0, c'est je construis un automate uniquement en suivant les règles pointées. Qu'est-ce que c'est que LR1 ? C'est je suis les règles pointées et je me pose la question de quel est le lookahead qui peut être juste derrière. À partir du moment où vous mettez à refusionner les états qui ne diffèrent que par les lookaheads, vous tombez sur l'automate. LR0, bien sûr. C'est clair pour tout le monde ? L'automate LR0, c'est l'automate, quand on le construit, on ne se préoccupe pas des lookaheads, il ne compte que les règles pointées. L'automate LR1, c'est quoi ? C'est je me préoccupe des règles pointées, plus le lookahead qui peut être derrière. LA, LR1, c'est quoi ? C'est une fois que j'ai construit mon automate LR1, tous les états qui sont identiques, modulo les lookaheads, je les fusionne. On est bien en train de refabriquer l'automate LR0. Mais quel intérêt dans ce cas-là, plutôt que de ne pas faire directement du LR0 ? Pourquoi faire du LA, LR1, qui finalement, l'automate, c'est l'automate LR0 ? Ben, souvenez-vous de ce qu'on avait fait quand on avait traité la... Souvenez-vous de ce qu'on avait fait quand on avait traité la grammaire des L-value en LR0 ou même carrément en SLR1 d'ailleurs. Quand on avait traité la grammaire des L-value en SLR1, on avait découvert qu'il y avait un état dans lequel on avait un conflit shift-reduce. Et quand on avait regardé le conflit shift-reduce, il y avait un moment, il disait, tu peux faire une réduction devant le égal. Et on avait constaté que c'était crétin parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une étoile devant pour que la réduction soit légitime. Vous vous souvenez de ça ? Il était nécessaire, il y a un moment, il a envie de faire une réduction devant un égal, et cette réduction était toujours invalide parce qu'il nous manquait l'étoile devant. Le problème était le suivant. On avait L avec un égal qui est derrière, et il disait, ah bah le L c'est facile, je vais quand même un peu effacer. Ça c'est facile, pardon c'était E, excusez-moi, non c'était L. Attendez, non c'était E, c'est ça, c'était E. Et là il avait envie de faire une réduction, de transformer ça en L. Ah là là, je ne retrouve plus. J'ai quand même pas envie de redessiner tout mon automate. Mais en fait, la réponse, elle est déjà ici. Elle est déjà ici. C'est l'état 5 qui nous ennuie. X, transformer X pour L value. Le problème qu'on avait, j'hésite à refaire l'automate, mais peut-être que c'est quand même ce qu'il y a de plus utile.
refaire le tomate. Donc, j'ai Z, je suis devant un statement suivi de end of file. Un statement, c'est quoi? C'est une expression suivie de end of file. Une expression, c'est quoi? C'est soit une L value suivie de end of file. Une L value, ça peut être ID suivie de end of file. Ou une L value, ça peut être étoile E suivi de end of file. Et il manque quand même un statement. L'autre statement très important, c'est L value suivi de E avec end of file, et je suis là. Vous vous souvenez de ça? Ensuite, on a le fait que mon L, cette fois-ci, il peut être derrière. Il peut, un L peut être suivi d'un égal. Donc mes deux L qui sont ici, je peux avoir égal et égal. D'accord? La question qu'on se posait, c'est imaginons qu'on lui donne un L. Si on lui donne un L, cet état 0, donc ça c'est le noyau de mon état, ça c'est l'état 0. Si je lui donne du L, j'ai cette règle-là qui avance. E me donne L point sur $, et on a aussi S me donne L point égale E sur $. Ce que manifestement, lui, il appelle l'état 5. D'accord? Et ici, on a égal qui appelle. Quand on avait fait le parseur SLR1, c'est-à-dire il n'a pas ça et il n'a pas ça. Il n'est pas au courant des follow locaux. Alors il disait, hey, il y a réduction de la règle E me donne L value, c'est-à-dire celle qu'il appelle la règle numéro 3. Ici, il me dit, il y a réduction de la règle numéro 3 devant tous les follow de... celui qu'on va poser, c'est-à-dire tous les follow de E. Et dans les follow de E, on avait trouvé égal. Donc on avait un conflit shift reduce qui est que dans l'état 3, sur le token le lookahead égal, on veut faire réduction de la règle numéro 3 ou shift vers, je sais pas, on va l'appeler 6. Ou shift 6. D'accord? Et quand on avait étudié le conflit qui est ici, on avait constaté que ce conflit... On est dans quelle situation? J'ai un L sur ma pile, j'ai un égal qui arrive, et il me dit faire une réduction, c'est-à-dire faire E avec un égal qui est derrière. Et on avait vu que ça nous emmenait nulle part, parce que un E, certes, il peut être suivi d'un égal, mais exclusivement si en fait il y a une étoile qui est devant, et là on n'a pas l'étoile. D'accord? Bon, tout ça, tous ces rappels pour dire une chose extrêmement importante, qui est que, du coup, on avait compris que notre automate SLR1, non, pardon, je ne devrais pas dire automate SLR1, il n'y a pas d'automate SLR1. SLR1, c'est un automate LR0, plus les follow, pour construire le parseur. D'accord? On peut parler de parseur SLR1, parler d'automate SLR1, c'est bizarre. L'automate, c'est l'automate LR0. Mais on avait constaté que mon parseur SLR1, si j'avais étudié le conflit qui est ici et que j'avais décrété la réduction est toujours absurde, alors on avait un parseur qui marche. LALR1 vient de faire exactement ça. LALR1, si vous regardez notre état 5 là-haut, d'accord, il dit... explicitement la règle numéro 3, à savoir x me donne n value et l value et je suis à point, il me dit derrière il ne peut y avoir que end of file, il peut y avoir que $ ici, il le dit, c'est marqué là, et la réduction qui est en 3, il ne le fera que sur le lookahead qui vaut $ et surtout pas sur le lookahead qui vaut égal. Autrement dit, on a quelque chose d'assez miraculeux, qui est que LALR1, c'est un automate LR0 et donc il est petit, mais il arrive à racler dans l'intelligence de remplir le tableau parseur, il arrive à trouver une façon qui
permettent d'être plus fin que SLR1, mais beaucoup moins gros que LR1. Vous m'avez suivi là ? Je le redis. Je le redis. Toute grammaire qui est LR0, là j'utilise LR0 pour dire ensemble des grammaires qui sont LR0, est une partie stricte de SLR1. Tout ce que LR0 sait faire, SLR1 sait le faire, mais il y a des choses qui que pas dans l'autre sens. SLR1 est une partie stricte de LALR1. Qui lui-même est une partie stricte de LR1. D'accord ? Toute grammaire qui a LR0 est aussi SLR1, LALR1 et LR1. Mais la grande... Il y a un mur dont on va reparler ici. Il y a un mur qui est que là, on a changé d'automate. Tout ça, c'est de l'automate LR0. Tout ça, c'est de l'automate LR0. Alors, les chiffres, je vous les ai déjà donnés, mais ils doivent être quelque part sur... ils doivent être quelque part Dropbox, je pense. Alors, vous, c'est Epita, THL, ça a l'air bien, ça. Hop. Voilà. Est-ce que c'est lisible ? Bon, c'est un tableau en ASCII art. Hein. Laissez tomber le DRLR1. Laissez tomber le DRLR1 qui est à la fin. Les deux dernières colonnes, elles ne sont pas importantes pour ce qu'on a à dire. Les seules choses qui nous intéressent, c'est les automates LALR1 et LR1. On en a déjà parlé. Hein. Trois petites grammaires. La grammaire de l'arithmétique. Elle n'est pas grosse, hein. Elle est décrite ici. La grammaire de l'arithmétique, on a 5 terminaux, 3 non-terminaux, 6 règles. Un langage de programmation moyen avec 41 terminaux, 38 non-terminaux et 93 règles. Et puis un vrai langage de programmation, je pense que c'est Pascal, où on a 82 terminaux, 68 non-terminaux et 234 règles. Avec ça, ça vous donne un parseur, l'arithmétique, ça vous donne un parseur LR1 qui a 22 états et 71 entrées. C'est-à-dire le parseur lui-même, il y a 61 cases qui disent ici il faut faire un shift ou il faut faire un reduce. Il y a 71 cases non vides dans le parseur. Pour la moyenne, on a 773 états et presque 7000 entrées. Et déjà là, je vous disais ma frustration, on ne sait même pas pour le vrai langage combien on a d'états. Ce qui est vraiment ridicule, il aurait pu pousser ses calculs un peu plus loin, le monsieur qui a fait ses calculs. Et puis plus de 15 000 entrées. Honnêtement, je ne serais pas étonné qu'on ait une dizaine de milliers d'états et puis une centaine de milliers d'entrées. Quoi. Je ne serais pas étonné. Et là, LR1, à côté de ça, regardez. Il a trouvé 10 paires d'états qui pouvaient fusionner, donc on tombe à 12 états. Ce qui nous ramène à 26 entrées. Évidemment, si vous avez moins d'états, votre matrice, le parseur, c'est un tableau. Si vous diminuez considérablement le nombre de lignes de votre tableau, il faut évidemment s'attendre à ce qu'il y ait aussi beaucoup moins d'entrées. Le 773 devient un 173 et on n'a plus que 500 entrées. Et le truc qui, à mon avis, est de l'ordre de la centaine de milliers d'entrées, n'en fait plus que 3000. Et quelque chose qui doit faire une dizaine de milliers d'états n'en fait plus que un gros 400. D'accord ? Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que LR1 est surpuissant. On peut prouver que c'est le meilleur, On peut prouver, quelque part, c'est le meilleur algorithme de parsing possible d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que LR1, si vous avez une grammaire qui est déterministe, c'est-à-dire une grammaire qui permet une analyse de la gauche vers la droite, sans devoir attendre le dernier symbole pour savoir comment comprendre le premier, on avait déjà vu que, par exemple, les palindromes, c'est pas possible. Les palindromes, c'est une grammaire sur laquelle il ne peut pas exister de parsing déterministe de la gauche vers la droite.
mais on s'en fout. Dieu merci, personne n'a inventé un langage de programmation qui repose sur les palindromes. Les langages de programmation, ils sont faits quand même pour pouvoir être analysés de la gauche vers la droite sans avoir à lire aussi de la droite vers la gauche. Et donc, dans tous les cas où il existe une réponse déterministe de la gauche vers la droite, alors LR1, c'est le faire. Donc de ce point de vue-là, quand Knuth a inventé le parsing LR1, il a clos la discussion. Ça marche universellement. Seul petit problème, c'est les tailles d'automates que je viens de vous montrer, c'est beaucoup trop gros pour être utilisé en pratique dans les années 70. On est quand même en 2016, les choses ont changé en matière de mémoire disponible. Mais dans les années 70, c'était rigoureusement impossible. Ce pourquoi LR0 et LR1 chronologiquement ont été les premiers à avoir été inventés, et les gens ont cherché des façons de mitiger la taille de LR1. Les gens ont cherché comment est-ce que je peux faire en restant dans des tailles raisonnables, donc des tailles typiquement LR0, pour avoir des parseurs qui soient capables d'aller plus loin. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Frank de Remer qui a d'abord trouvé SLR1, qui était une façon d'utiliser l'automate LR0 et d'avoir un pouvoir de discrimination plus fin. Et puis ensuite, il a trouvé LALR1, qui est encore plus puissant que SLR1, mais qui est toujours dans la taille LR0. Et je vous ai montré LALR1, on fait un automate LR1, on le replie, on a un automate qui est beaucoup plus petit, mais qui arrive quand même à discriminer des situations comme celle qui est à l'écran. Cela dit, il y a évidemment quelque chose qui déconne complètement dans ce que je viens de vous raconter, quoi. C'est quoi ? Oui, si je vous ai dit que LR1 c'est beaucoup trop gros et que ça rentre pas dans les machines, alors on a forcément un problème quand on se dit « Ouais, mais c'est facile, tu fabriques l'automate LR1 et puis après tu le réduis. » C'est trop gros, c'est trop gros. Même si c'est trop gros que pendant un petit temps. Et que après, je veux dire, si vous dépassez la mémoire de votre machine et que vous revenez après, vous êtes quand même sorti, ça ne marche pas. Donc la force, et là où il y a matière à être admiratif du travail de Frank de Remer, c'est qu'il a trouvé une façon de construire l'automate LR1 qui part de l'automate LR0 et qui calcule à l'intérieur de l'automate LR0 quels seraient les lookaheads qu'on aurait obtenus si on avait construit l'automate LR1 et qu'ensuite on avait fusionné. D'accord ? Donc le vrai tour de force, enfin il y a deux tours de force. Il y a quand même le premier qui consiste à se dire « Hey, si on faisait de la compression avec perte de nos parseurs ?» Avec perte, quoi. Je veux dire, si c'est de la musique, ok, d'accord, si c'est un film, ok, je comprends, surtout si c'est une série télé des années 70, on peut compresser avec perte, mais là, un parseur, quelque chose de déterministe, quelque chose qui est là pour analyser un langage de programmation, par exemple, de s'autoriser à dire, si on faisait de la compression avec perte et si on regardait si ça marche, déjà ça, il faut l'autoriser, ensuite il a prouvé mathématiquement que ça marche, au sens où je vous l'ai dit, hein. Soit vous obtenez un parseur avec conflit, et dans ce cas-là, la méthode ne marche pas, vous êtes tombé sur une grammaire qui est LR1, pas LALR1. Soit vous obtenez un parseur qui n'a pas de partie de conflit, auquel cas il est correct. Donc il a prouvé que si ça marche, c'est correct. Et puis surtout, après, il a trouvé une façon de gonfler un automate LR0 en un parseur LALR1. C'est ça qui est très fort. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors là, on a deux voies possibles sur la suite. Et après tout, vous pourriez décider de voter. Il y a deux choses qu'on doit faire et sont à peu près ça commute. On peut les faire dans n'importe quel ordre. Là maintenant, il s'agit pour nous de nous préparer à écrire des vrais parseurs et on va faire une calculatrice ex nihilo. À partir de zéro, on va faire une calculatrice flex bison. Et quelque chose d'autre qu'on doit faire, c'est apprendre à résoudre des conflits shift-reduce, des conflits dans des grammaires yak-bison, d'accord ? Donc là, c'est comme vous voulez, soit on commence à s'aguerrir sur la résolution de conflits, soit on commence directement à faire une calculatrice. Qu'est-ce que vous préférez en premier ? Qui dit calculatrice à la main levée ? Qui dit résoudre les conflits ? Bon, calculatrice. On va commencer par allumer. Tiens, c'est étonnant. Quand on allume, ça arrête le vidéo proche ? Ah non, d'accord.
Juste, ça l'embête un petit peu, mais... On va faire une calculatrice, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui va manger du 1 plus 2 fois 3. Et à la fin, on aimerait bien récupérer un bonbon au plus rapide. 9, perdu, je ne sais pas pourquoi je te donne un bonbon. Hein. 1 plus 2 fois 3 égale 9. 7. 7. Ok. Ce 1 plus 2 fois 3, il va rentrer... comme on l'a déjà vu, d'abord dans le parseur, d'abord dans le scanner, excusez-moi, et ensuite dans le parseur, d'accord? Vous avez votre scanner qui est ici, et là vous avez votre parseur. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le scanner, c'est la partie analyse rationnelle, analyse lexicale. Dans le contexte des compilateurs ou des parseurs, on utilise souvent le mot lexical pour dire ce qui est au niveau des tokens, ce qui est au niveau du rationnel. Et on utilise souvent le mot syntaxique pour dire ce qui est au niveau grammatical, ce qui est vraiment ce qui relève de la grammaire. Donc ça, ça va être l'analyse rationnelle, et ici, ça va être l'analyse hors contexte. Hein, quand on dit grammaire, en réalité, on pense à grammaire hors contexte. Ici, c'est grammaire rationnelle, si vous voulez. Le métier de ce scanner, ça va être de produire des listes de tokens, par exemple, de dire ici, j'ai un num, ici, j'ai un plus, après, il y a un num. Puis après, il y a un star. Et enfin, il y a un homme. D'accord? Le métier de ce scanner, ça va être de recevoir quelque chose qui a un flux de caractères et de produire un flux de tokens. Les tokens sont des catégories lexicales. Si on avait été en train de faire 11 plus 2 fois 3, auquel cas ça change le résultat, mais ça fait toujours pas 9. Si on avait fait 11 plus 2 fois 3, il aurait surtout assemblé le 1 puis le 1 en la valeur sémantique 11. Et chacun des individus qui sont ici sera décoré de sa valeur sémantique. D'accord ? Donc ça, ça fait 17 a priori. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord ? Ce flux de tokens, il va être analysé par mon parseur et c'est mon parseur qui doit faire le calcul et qui à terme doit me produire le résultat. Là, on va se placer dans un environnement où le scanner, on n'a pas envie de l'écrire. On va le faire générer. Et pour le faire générer, on va utiliser Flex. Ou Lex, si vous préférez. Lex, c'est le nom historique. C'est le nom historique d'un produit Unix, d'accord ? Il appartient vraiment à la famille CP, MV, CC, Make, etc. Tous ces outils qui ont été inventés dans le monde Unix dans les années 70. Et son métier, c'est à partir d'une liste d'expressions rationnelles un peu décorée, à partir d'un fichier scan.l, de fabriquer un scanner. Ça, c'est la version originelle. Il y a une version libre qui s'appelle Flex. Le F signifiant fast. Le parseur, ici, nous, on va utiliser Bison. Et Bison, c'est pareil. Son métier, c'est générer des parseurs à partir d'une grammaire décorée, une grammaire attribuée. Typiquement, l'appeler parse.y. D'accord ? Bison, c'est quoi ? Ben, le programme originel s'appelait Yak, on en a déjà parlé, et nous, on va utiliser en réalité GNU Bison. On peut dire que Bison, c'est la version GNU de Yak. Yak, Yet Another Compiler, comme on l'avait déjà dit, c'est un générateur de compilateur. Non, c'est pas un générateur de compilateur, c'est qu'à l'époque c'était les seules choses qu'on savait générer, mais en réalité c'est un générateur de parseurs. Et pourquoi Yet Another ? Parce qu'il y en avait plein d'autres qui existaient à l'époque, mais la chance qu'a eu Yak, c'est d'habiter dans le petit microcosme d'Unix, ce qui fait qu'il a parfaitement bien vécu, puisque Unix a super bien vécu, et ça a pas mal buté tout ce qui était autour de lui à l'époque. D'accord ? Et on continue
d'en bénéficier et puis aussi d'avoir le C comme héritage. Mais on a beaucoup bénéficié du NIX et pas que. Ce qui va nous intéresser, c'est d'écrire le fichier précurseur scan.l et d'écrire le fichier précurseur parse.y. Cela dit, ce qu'on va faire ensemble, c'est du C++. Voilà. Donc on va plutôt faire scan LL et puis parse YY. D'accord ? Scan.l ou LL et parse.YY sont des noms qui sont un peu absurdes, sincèrement. Je veux dire, si vous avez écrit LL, on se doute bien que vous êtes en train de faire un scanner. Si vous avez écrit YY, on se doute bien que vous êtes en train de faire un parseur. Donc ce serait beaucoup plus logique, par exemple, de dire de quoi c'est un scanner et de quoi c'est un parseur. Par exemple, arith.l et puis arith.y. J'ai mon scanner pour l'arithmétique et j'ai mon parseur pour l'arithmétique. Mais là, on a un autre problème qui est complètement idiot, c'est que Flex, si ici vous lui donnez arith.ll, il va vous fabriquer arith.cc. Et à l'autre, là, si vous lui donnez arith.y, il va vous faire arith.cc. Ça commence à faire beaucoup de arith.cc. Donc en réalité, moi je continue de prendre l'habitude de mettre scan et parse devant, histoire de ne pas avoir des conflits par derrière. Et le plus logique, c'est quand même d'avoir scan arith et parse arith, ou arithmétique, vous l'appelez comme vous voulez, mais d'avoir deux fichiers qui, rien n'empêche dans un programme d'avoir plusieurs parseurs en fonction de ce que vous avez à faire. Première question qu'il va falloir trancher dès maintenant, c'est à votre avis, quelle est la nature d'un token quand l'ex, ou plutôt quand mon scanner va donner à mon parseur un token, par exemple ceci est le mot-clé break, ceci est l'identifiant Toto, ceci est le nombre 123, l'entier 123. Quelle devrait être la nature de l'information token qui va lui être donnée? Une structure, et tu aurais quoi comme champ dans ta structure? La chaîne de caractères. Alors, précisément, imaginons que le métier du scanner, ce soit de... Enfin, c'est pas imaginons. Hein. Imaginez plutôt un parseur, un scanner qui est fait pour le C. Son métier, ça va être de distinguer où sont les entiers, où sont les flottants, où sont les mots-clés et où sont les identifiants. Donc lui, il va être spécialisé dans rechercher le mot-clé break, le mot-clé while, le mot-clé for, et ainsi de suite. D'accord ? Imaginez que quand vous avez découvert le mot-clé break, vous donniez la chaîne de caractères break au parseur. Le parseur, évidemment, le premier truc dont il va avoir besoin, c'est de distinguer le mot-clé break des autres mots-clés, et aussi de l'identifiant Toto. Donc lui, il va se mettre à faire du strcmp ou un machin comme ça. Sachant que lui, il avait déjà compris ce que c'était que le mot-clé break et que ce n'était pas la même chose que l'identifiant Toto. Donc là, évidemment, le premier truc à ne pas faire, c'est retourner les chaînes de caractères. Parce que lui, il va être obligé de relire des séquences de caractères qui ont déjà été lues par le scanner pour savoir où commencer et où terminer le mot-clé break. C'est une catastrophe. À partir du moment où vous commencez à reposer sur du strcmp, vous êtes évidemment hyper coûteux. Très coûteux. La bonne façon de faire, ce serait de transmettre quoi? Surtout que, n'oubliez pas, notre parseur, là, c'est du parseur LALR1, c'est donc fondamentalement un tableau pour chaque état et chaque lookahead. Donc on voudrait un tableau qui soit indexé par nos lookahead. Et si vous commencez à imaginer que votre indexation, c'est une indexation type table de hash, avec du strcmp à tous les étages pour savoir dans quel endroit je me trouve. Ok, strcmp, même dans une table de hash, il faut toujours vérifier qu'on n'est pas dans un état où on a des collisions et tout ça. Donc, dans tous les cas, même si c'est une table de hash, vous panez du strcmp. Sans compter que pour hacher, vous avez aussi traversé. Donc, vous faites plein de parcours de vos chaînes de caractères, vous imaginez bien que c'est hyper coûteux. Donc, quand je repose la question, quelle serait la bonne implémentation de ce que c'est qu'un type token? Un enum. Autrement dit, un entier. D'accord ? On veut que ce soit des entiers. On veut que quand on a détecté ceci est un nombre, on dise 1. On veut que quand c'est un flottant, on dise 2. On veut quand c'est le mot-clé break, on dise 3. Et là, ça y est, votre parseur, il n'a plus
que des comparaisons d'entiers à faire, et c'est super performant bien sûr. S'il veut tester si deux tokens sont identiques, c'est juste un test d'égalité d'entiers, c'est instantané. Si jamais on veut aller chercher dans une colonne, bah, il suffit d'utiliser le numéro du token pour le savoir. Alors historiquement, les langages, historiquement, ils utilisaient des DSDefined pour faire tout ça, ce qui est évidemment complètement... Je comprends pas. Honnêtement, sincèrement, je comprends pas. Le Enum, ça existait depuis déjà. Hein. C'est pas comme si ça avait été inventé dans le C11 ou que sais-je. Mais Enum existait dès la naissance du C. Je comprends pas. Ils utilisaient des DSDefined, mais évidemment, le bon type, c'est des Enum. D'accord ? Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est que notre scanner, il génère des Enum qui disent « Et voici, il y a un num, il y a un plus, etc. » Indiscutablement aussi, il va y avoir une grande collaboration entre le scanner et le parseur. Il y a une grande collaboration entre les deux. En réalité, en toute sincérité, ils travaillent en même temps. On peut parfaitement imaginer qu'il y a du parallélisme. On peut parfaitement imaginer que le scanner il continue de traiter le flux. Et puis il envoie des tokens vers le parseur et le parseur il peut avancer à son propre rythme. On a vraiment là quelque part un vrai data flow au sens où l'un et l'autre ils sont relativement indépendants. J'ai besoin d'un tampon au milieu, ça je le discute pas, mais on a vraiment quelque chose qui est orienté data flow. C'est pas comme ça que c'est implémenté, mais si on le voulait, si vous étiez en train de faire du Go par exemple et que vous avez des coroutines. Les coroutines, elles sont explorées avec vous beaucoup plus dans le cours de construction des compilateurs. Mais si on avait des coroutines, on pourrait parfaitement avoir deux routines qui ont chacune leur stack et qui tournent de façon indépendante. Bon, là, on fait du C. Les coroutines en C, bonne chance. Donc là, vous voyez, il va falloir qu'on trouve un modèle de collaboration entre le scanner et le parseur qui est un peu moins riche que de se dire, tiens, j'ai un channel, j'ai un canal que je bourre avec des tokens d'un côté et que l'autre, il pompe quand il en a besoin. Producteur-consommateur. D'accord ? Ce modèle, ben, il y en a de deux façons. On peut imaginer ça de deux façons différentes en fonction de qui est le maître. Est-ce que c'est le scanner qui push dans le parseur ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le scanner, à chaque fois qu'il découvre un nouveau token, il réveille le parseur en lui disant « Tiens, voilà un token, débrouille-toi pour reprendre ton exécution. » D'accord ? Ça, c'est le modèle push. Et vous avez le modèle pool qui est différent. C'est le parseur, quand il a fini toutes ses actions et qu'il a besoin d'un token, il appelle le scanner en lui demandant « donne-moi le token suivant ». D'accord ? Donc vous avez deux modèles, selon que c'est le scanner qui pousse dans le parseur ou le parseur qui tire depuis le scanner. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus logique ou plus puissant ou, pardon, est-ce qu'ils sont tous les deux rigoureusement équivalents ? En réalité, le modèle push, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est plus intéressant. Parce que le modèle pool, c'est de dire j'appelle mon parseur et c'est lui tout seul qui va tirer sur mon flux d'entrée autant qu'il le désire. C'est malheureusement un modèle qui marche plutôt bien que pour les fichiers. Parce que vous vous retrouvez avec un modèle dans lequel vous appelez le parseur une fois et il va épuiser le flux d'entrée jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout et ensuite il va vous donner le résultat. Très bien si on est en train de parser un fichier. Mais imaginez maintenant qu'on soit en train de parser un flux dans un protocole ou une conversation interactive avec l'utilisateur. Bah, dans une conversation interactive avec l'utilisateur, vous n'avez pas envie d'attendre end of file, quoi. L'utilisateur, il vient de taper des trucs, on a envie de réagir aux choses qu'il a faites. Donc le modèle push, lui, il vous donne du contrôle supplémentaire de dire, bah, tiens, pour l'instant, il n'y a plus rien à lire sur le flux d'entrée, c'est pas grave. On va quand même pousser tous les tokens qu'on a vus jusqu'à présent, faire tous les calculs qui sont à notre disposition, donner le résultat. Et puis, bah, on va être en attente si jamais il y a d'autres choses à lire. Donc les deux modèles sont très très proches, mais le modèle push se prête mieux à parser par exemple l'arrivée d'un protocole de communication. Cela dit, on va faire le modèle pool parce que c'est le plus simple. Et dans le modèle pool, vous comprendrez donc que le parseur, je l'appelle une fois,
c'est une fonction, elle s'appelle yyParse. Donc la fonction qui est générée par Bison, je l'appelle une fois, cette fonction yyParse, et c'est elle qui va appeler le scanner à répétition en obtenant tous les tokens dont il a besoin jusqu'à avoir récupéré son end of file. Le scanner, c'est également une fonction et elle s'appelle yylex. D'accord ? Donc vous avez deux fonctions qu'on va beaucoup fréquenter, yylex et yyParse. Honnêtement, j'aime pas du tout yylex. J'aurais voulu que ça s'appelle yyscan, mais voilà, c'est pas comme ça que les gens ont décidé de l'appeler. Il y a quelque chose qui est assez rigolo, maintenant que j'ai failli oublier de vous en parler. L'auteur de Lex, il s'appelle Mike Lesk. Faut le faire quand même. Il s'appelle Mike Lesk, l'auteur de Lex. Vous voyez où je veux en venir, hein, n'est-ce pas? Et l'auteur de Yak, c'est Steve Johnson. Et quand vous lisez un petit peu Steve Johnson qui raconte pourquoi il a fait Yak, comment ça s'est passé quand il l'a développé et tout ça, il vous raconte que vraiment, comme je vous l'avais déjà dit, hein, il y avait vraiment des gens qui collaient des feuilles ensemble et qui faisaient des énormes feuilles et au crayon à papier, ils dessinaient leurs automates à la main pour générer leur parseur LR. Vous imaginez le nombre d'erreurs de calcul qu'on peut faire dans un truc comme ça, c'était horrible. Donc il a cherché à les soulager en faisant un générateur de parseur LALR. Je crois que je vous ai suffisamment présenté le contexte et qu'on va pouvoir vraiment attaquer la création d'un parseur d'une calculatrice. Votre promo à vous, c'est quoi? C'est 2020 ou un truc comme ça? 19. Ah oui, c'était les prépas qui sont... Computer 2. Hop là. Ok. On va prendre un éditeur de texte. Calque 19. Et puis on va faire un parseur.yy. Et puis on va faire un scan.ll. D'accord? Je vais commencer par le parseur. Votre parseur, vous allez exprimer une grammaire. D'accord? Vous allez exprimer par exemple qu'une expression, ça peut être une expression plus une expression, ou une expression fois une expression, ou une expression moins une expression, c'est pas très logique, je préférerais dans l'autre sens. Ou un nombre, ou une expression entre parenthèses. D'accord ? Point virgule. Il se trouve que votre parseur, on va générer du code. Et le code qu'on va générer, il y a plein d'informations qu'on va vouloir donner à notre outil, Bison, pour lui dire quel type de parseur on veut obtenir. Quand je dis num, il va bien falloir que je lui dise quelque part quelle est la valeur de ce num. Est-ce que c'est un float, est-ce que c'est un int, etc. Donc il va y avoir beaucoup d'informations à lui donner, ce qui fait qu'en réalité, votre fichier, il est tripartite. Il y a trois parties dans votre fichier et les parties sont séparées par %. D'accord ? Elles sont séparées par %. Ah. Ici, c'est la partie grammaire. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je hurle. C'est la partie grammaire. Ouais, ici, c'est ce qu'on appelle le prologue. Et je vais tout de suite en profiter dans mon prologue pour aller expliquer à Emax que si jamais il voit passer YY, c'est du C++. Si jamais il voit passer ce fichier. Là, pour l'instant, je suis en mode fondamental. Il n'a pas compris que c'était du C++. Donc, c'est quoi? C'est pomme S, je crois. Non, c'est pomme U. Voilà.
Dans le prologue, on va dire plein de choses. On va paramétrer notre outil, on va lui expliquer le contexte dans lequel il va travailler. Ensuite, vous avez la grammaire et ensuite, vous avez l'épilogue. Et dans l'épilogue, bon, on va mettre du pur code C++ qui sera recopié texto dans le fichier de sortie. D'accord ? Donc le prologue, il y aura des directives. La grammaire, elle va se transformer dans la fameuse fonction yyparse. Et puis l'épilogue, il sera recopié tel que en sortie. Entendu ? On va commencer tout de suite à demander à Bison ce qu'il pense de ce qu'on est en train de faire. MetaX compile, j'appelle Bison sur parse.yy. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire ? Bon, un bonbon ? La moindre des choses, c'est qu'ils nous disent ta grammaire, elle est ambiguë. Bien sûr qu'elle est ambiguë et qu'il faut qu'ils le disent. Bon, il va pas pouvoir le dire parce que son métier, c'est pas détecter les ambiguïtés. En revanche, il va pouvoir nous dire que ça génère des conflits. Et donc, ça devrait terminer en erreur. Je le lance. Bon, alors je vais peut-être le mettre en anglais parce que vous avez peut-être des difficultés à lire en français. Warning. 16 conflits shift reduce. Warning. Warning. Vous avez compris ça ? C'est oh, oups, t'as des conflits. Mais je termine avec succès et j'ai vraiment généré la fonction yyparse. Hein. Elle est là. yyparse, elle est où ? Là voilà, j'ai généré la fonction yyparse. Et alors cette fonction yyparse, elle utilise, je vous l'ai dit, hein, c'est. Alors attendez, je cherche. Voilà. C'est. On a du code qui est invariable, c'est toujours le même code, mais c'est des tables qui vont dépendre de notre grammaire. Voilà. Le métier de Bison, c'est de générer ces tables. Et puis d'aller y coder, d'aller y coller tout le code de décodage. Les messages d'erreur, etc. Voilà yyparse avec toutes ces piles. On est toujours dans yyparse, 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 on est toujours, on y est toujours, on y est toujours, on y est toujours, on y est toujours. Et elle termine là. Ah. Voilà, son métier, c'est de générer les tables, enfin de calculer les tables, de les coller dans un fichier C++, et puis ensuite d'y mettre aussi la fonction qui décode. Toujours est-il que là, il nous dit, il y a un warning, mais on a généré le code et on peut se servir de cette fonction. Évidemment, c'est une catastrophe, il y a 16 conflits shift reduce, il fait vraiment, on ne sait pas quoi. Il a pris des décisions au sujet des priorités et d'associativité de tout le monde. Alors, comment comprendre ce qu'il a fait ? C'est facile, hein, vous allez lire les tables. Vous allez lire les tables pour comprendre quelles sont les... Non. Évidemment, c'est pas possible. On va pas y arriver. Quoi. Arriver à comprendre... En plus, il nous montre même pas l'automate. Il nous montre le parseur. C'est pire. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « dis, tu veux bien me faire un rapport sur ce que tu as fait ?» Histoire que je comprenne quand même de quoi il s'agit. En faisant moins report égal all, ls-ltr, ah tiens, il y a un fichier qui s'appelle parse.output qu'on va aller regarder. Il nous dit, tiens, dans l'état 11, j'ai trouvé 4 conflits shift reduce, ainsi que l'état 11, etc., 12, 13 et 14. On va regarder un petit peu la morphologie de ce fichier. Déjà, il commence par nous dire, voilà la grammaire sur laquelle j'ai travaillé, voilà les numéros de règles, etc. Donc il nous montre la grammaire sur laquelle il a travaillé, il nous montre les tokens qu'il a utilisés, ainsi que les numéros qu'il aura attribués. Il y a le numéro externe, si vous voulez, puis le numéro interne. Hein, ça, c'était le token numéro 1, le 2, le 3, etc. Et puis après, il nous fait un rapport sur les différents non-terminaux qu'il a vus. Il y a le non-terminal numéroté 10 qu'on a vu apparaître à gauche de la règle 0, et puis il y a le exp, qui est un non-terminal, qui est le non-terminal 11, qu'on a vu apparaître... à gauche dans les règles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis à droite dans les règles 0, etc. L'état 0, tiens, regardons-le, l'état 0. L'état 0, il nous dit que le noyau, c'est je suis la règle pointée accept.exp$. Ce qui veut dire que je peux être devant chacune de ces exp. Alors vous remarquerez qu'il ne précise pas quel est le lookahead auquel il pense juste derrière. Ça, c'est dû à l'algorithme de Raymer qui est non seulement il arrive à calculer les lookahead sur l'automate LR0, mais en plus il le fait d'une façon paresseuse. Il va aller chercher que là où il en a envie.
Donc là, il a détecté qu'il n'avait pas besoin de les savoir, qu'il allait pouvoir les retrouver plus loin. Il ne les montre pas. Toujours est-il qu'il nous dit, si jamais il y a un num qui arrive, alors il faut faire shift et aller dans l'état 1. Bah, l'état 1, le voilà. Il me dit, bah, tu sais, tu es arrivé en bout de num, tu es en bout de la règle 5. Il faut faire la réduction de la règle 5. Sur quel lookahead ? Default. Il est en train de nous dire, je ne regarde même pas le lookahead, dans tous les cas, je le fais. Dollar default, ça veut dire, si ce n'est pas un cas qui a été listé au-dessus, on fait ça, c'est le cas, dans les cas non spécifiés, c'est ça qu'on va faire. On fait la réduction de la règle 5, et d'ailleurs, la réduction de la règle 5 me produit une expression. D'accord ? C'est comme ça qu'on lit ce truc-là. Bon, mais ce n'est pas ça qui nous intéressait, là. Ce qu'il nous dit, il nous raconte que l'état 11 a des conflits. On va aller voir l'état 11. Il est où l'état 11 ? Le voilà. Ah ! State 11. Le voilà, l'état 11. L'état 11, il nous dit, j'ai vu la règle du plus complètement. Les lookahead que j'ai calculés derrière, c'est end of file plus moins multiplié divisé parenthèse fermante. D'accord ? Et il nous dit aussi que je peux être devant un plus qui est à l'intérieur de la règle du plus ou être devant un moins qui est à l'intérieur de la règle du moins et ainsi de suite. Bon, bah, du coup, c'est clair que le plus qui est là, il appelle du shift. Et le plus qui est là, il appelle du reduce. D'accord ? Il nous dit, quand je vois du plus, je suis prêt à le shifter ou à le réduire, pardon. Quand je vois du moins, je suis prêt à le shifter ou à le réduire. Quand je vois du étoile, je suis prêt à le shifter ou le réduire. Et quand je vois du slash, je suis prêt à le shifter ou le réduire. Ce qui nous fait bien 4 conflits shift-reduce dans cet état-ci. On a 4 conflits shift-reduce. Et vous remarquerez que, ici, le reduce qui est là, il n'est pas entrecroché. Les reduce qui sont ici sont entrecrochés. Il a pris la décision de garder tous les shifts et d'envoyer paître tous les reduce qui étaient en conflit avec des shifts. C'est évidemment totalement faux. Totalement faux, et il fait évidemment pas du tout. On a un parseur qui est complètement imbécile. Quand vous écrivez 1 plus 2 fois 3, il fait le parenthésage sur le plus, et ensuite il va traiter le fois. Il fait du parenthésage à gauche tout le temps. Il fait de l'associativité gauche tout le temps. Non, excusez-moi, c'est exactement le contraire. Je vous dis des bêtises. C'est le shift qui l'emporte. C'est le shift qui l'emporte. Donc il fait de l'associativité droite en permanence. Excusez-moi. Donc si vous écrivez 1 fois 2 plus 3, i parenthèse à droite, et ensuite seulement il va vers la gauche. Le shift, c'est toujours privilégier la droite, et le reduce, c'est toujours privilégier la gauche. D'accord ? Bon, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est d'expliquer à Bison que, tu sais, je veux zéro conflit. Alors, je sais plus comment on fait, je crois que c'est comme ça. On va voir. Non, il me dit que c'est pas comme ça. Peut-être que c'est comme ça. Non plus. Donc il me dit « read the fucking documentation », d'accord. « Search conflicts, conflicts, expect ». Ah oui, c'est ça, c'est « expect ». Ici, « expect », il faut lui dire combien on attend de conflits. On va lui dire « j'en veux zéro ». Je lance la compilation. Cette fois-ci, il continue de me dire qu'il y a des conflits shift-reduce, mais c'est devenu une erreur, et je termine sur « échec ». D'accord ? Bon, on regarde le fichier output. Évidemment, il n'y a rien qui a changé, c'est exactement le même, mais il est temps de corriger nos conflits. Corriger les conflits, ben vous savez comment on fait. On dit plus et moins plus. Ah, plus et moins sont d'égale priorité et ils sont associatifs à gauche. Et étoile et slash sont d'égale priorité et ils sont associatifs à gauche. D'accord ? Et plus et moins, les additifs sont moins prioritaires que les multiplicatifs. Les priorités vont croissantes. Je relance mon générateur de parseur et il me dit que cette fois-ci, il n'y a plus de conflit. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que de préciser les associativités et les priorités ? C'est changer la façon dont on fait le parseur, mais ça ne change rien pour l'automate. D'accord ? Ça change la façon dont je remplis le parseur en décrétant je garde le shift, je garde le reduce, etc. Mais c'est toujours le même automate. Donc en particulier, on peut retourner voir le fichier output,
celui qui s'appelait état 11, c'est toujours l'état 11. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder dans l'état 11 comment les conflits vont être résolus. Voilà, cette fois-ci, je suis tout en haut de mon fichier, il ne me dit plus que j'ai des conflits. Retournons voir l'état 11. Cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a plus que deux shifts qui sont possibles. D'accord ? J'ai supprimé une ligne. Il n'y a plus que deux shifts qui sont possibles et dans tous les autres cas, il décide de faire un reduce. Et il nous dit, si j'ai un conflit entre la règle numéro 1 et le token plus qu'on a résolu comme étant une réduction en vertu de l'associativité gauche du token plus, en vertu du 8% left plus, d'accord ? Si j'ai le même conflit entre la règle 1 et moins, la règle 1 c'est la règle du plus, hein, elle est là, il nous dit que ben, on va faire de la réduction pour pouvoir satisfaire le left sur le moins. Il y a également autrefois ici un conflit entre la règle du plus et le shift de l'étoile qui a été gagné par le shift parce que l'étoile est de priorité supérieure au plus, et même chose avec le slash. C'est clair pour tout le monde ça ? Bon, bah ça y est, on vient de faire notre premier parseur, qui pour l'instant parse rien du tout, mais on vient quand même de faire notre premier parseur. Il va lui falloir son compagnon, et son compagnon, c'est le scanner. Alors, je vais aller voir mon scanner. C'est pareil, il est tripartite. Il y a les directives, le prologue ici. Ensuite, il va y avoir les règles. Et après, l'épilogue. Je suis aussi dans un mode où il n'a pas compris que j'étais en train de faire du C++. Alors je vais lui dire ceci est du C++. Hop, et je recharge mon fichier. Yes. Voilà. Mes règles, elles sont différentes cette fois-ci. Je vais dire que si je vois passer plus... je vais dire que j'ai vu passer le token plus. Quand j'aurai vu passer l'étoile, je dirais j'ai vu passer le token étoile. Quand j'ai vu passer slash, je dirais j'ai vu passer le token slash. Quand j'ai vu passer, il me manque le moins. Quand j'ai vu passer moins, je dirais que j'ai vu moins. Quand j'ai vu passer parenthèse, etc. Et puis les nums, je les ferai après, mais pourquoi non, pourquoi pas. Je veux dire qu'un num, c'est ça. D'accord ? Donc vous voyez, mes règles, elles sont vraiment toutes bêtes, c'est des expressions rationnelles avec la syntaxe dont vous avez l'habitude, vous avez le droit au OU, vous avez le droit aux parenthèses pour grouper, vous avez le droit à tout ce dont on a l'habitude. Maintenant, il faut réfléchir au protocole de communication qu'il y a entre YYLEX et YYPARSE. YYPARSE va appeler YYLEX en lui disant « donne-moi le token suivant ». Bah, elle va lui faire comment ? En faisant un return. On va faire un return d'une certaine valeur. Et bah, c'est ici que ça se passe. On va dire ici, c'est nous, à la main, return de... j'ai vu un plus. D'accord ? Return de... j'ai vu un minus. Ici, on va appeler ça star. Ici, on va appeler ça slash. Ici, ça va être left par n. Et ici, vous avez r par n. D'accord ? Et ici, return num. D'accord ? L'énum, il va bien falloir la définir quelque part. Cet énum plus, multiplié, etc., etc. Qui c'est qui est le mieux placé pour connaître les tokens utilisés dans la grammaire ? C'est évidemment Bison. D'accord ? Donc en fait, c'est de l'autre côté que vous allez... lui annoncer quels sont les tokens que vous utilisez. Sache que j'utilise un certain token plus et je voudrais que tu l'appelles plus d'un point de vue implémentatoire. L'énum qu'on va manipuler, tu l'appelleras plus. On va récupérer ça. Un petit peu paresseux. On va mettre ici. On va faire un truc du genre rajouter deux espaces là et puis retirer tout ça. D'accord ? Je déclare tous mes tokens. Ça vous va ? Petit point virgule, c'est plus joli, mais c'est pas nécessaire. Bon, c'est plus joli sans.
Alors, je lance Bison. Il me dit que je lui parle pas bien. Ah mince, il a raison. C'est le contraire qu'il faut faire. Ctrl X, RK. C'est devant que je dois les mettre. Ctrl X, RY. Voilà, c'était dans l'autre sens. Désolé. Voilà. Il dit qu'il est content. Maintenant, si je regarde... Alors déjà, il me fabrique un... Regardez, le fichier qu'il me fabrique, il s'appelle parse.tab.cc. C'est vraiment IDE, le point tab. C'est historique, parce que y a qui faisait comme ça. Il générait un fichier toto.code.cc dans lequel il mettait le code constant et un fichier point tab dans lequel il mettait les tables. Ça fait très longtemps qu'on a trouvé que ce n'était pas très agréable d'avoir le code constant d'un côté et les tables de l'autre et qu'on les met dans un seul fichier, mais le point tab est resté. Donc je vais changer mon appel et je vais lui dire de me créer un fichier qui s'appelle parse.cc. C'est un peu plus joli. Je vais aller lire mon fichier parse.cc et je cherche num là-dedans. Oh super, il m'a déclaré un enum dans lequel il me donne le type de chacun de mes... Il me donne les numéros de mes tokens. Ça me fait une belle jambe parce qu'ils sont à l'intérieur du point .cc et j'en ai besoin dans l'autre fichier, dans le fichier scanner. D'accord ? Donc il est temps qu'on demande à Bison de nous fabriquer aussi un fichier, un header. Et ce header, on va l'appeler HH. D'accord ? Alors je regarde mon fichier HH. Il me dit que, ah ben voilà, j'ai ce qu'il me faut, il me génère mon enum. D'accord ? Alors je vais dans mon scanner et je lui dis, tu vas avoir besoin, pour son accolade, c'est pour mettre, écrire du dans les directives, là où normalement je parle à flex, je vais aussi lui donner du code que je voudrais qu'il me mette dans le début du fichier qui va être généré, comme typiquement les includes dont j'ai besoin. Donc tu vas me faire un include de parse.hh. Jusque-là, tout va bien ? Bon. Alors, là, j'ai compilé Bison. Ensuite, ce serait bien que j'appelle flex en lui disant que je voudrais qu'il me fasse flex scan.cc à partir de scan.ll. Il m'en gronde. Qu'est-ce qu'il me veut ? Mauvais caractère. Ah oui, c'est un outil débile qui ne comprend pas les commentaires C++. Ok. Enfin, il n'est même pas au courant que c'est devenu du C depuis fort longtemps, mais il faut lui dire gentiment. D'accord. Puis ça, de toute façon, il ne le parse pas. Il ne va même pas chercher à l'interpréter. Donc ça, je pense que je peux le laisser comme ça. Voilà, là, ça a marché. Je peux compiler G++. On va compiler le scanner. Ouais, d'accord. On va lui dire... J'ai un peu trop l'habitude d'utiliser des chevrons ici en l'occurrence. C'est plutôt ça dont j'ai besoin. Mais pour faire ça, il faut que je relance d'abord... Bon, il y a quoi qui va pas là? Il est grand temps que je fasse quoi? Vous, Epithéen, qui me voyez faire MetaX, Compile et tout ça, il est grand temps que je fasse quoi là? Ben ouais, un makefile. Hein. Allez, on va se faire un makefile. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un bison, qui d'habitude a le bon goût de s'appeler bison. J'ai besoin d'un flex qui a le bon goût de s'appeler flex. J'ai des bisons flags, on a vu, alors on les verra après. Puis j'ai besoin d'un CXX, comme par exemple clang +++-mp-3.9. Et puis on va commencer à lui expliquer comment on fabrique un point .cc à partir d'un point .yy. Alors pour faire ça, il faut appeler bison, lui donner le fichier d'entrée et lui dire de produire le fichier de sortie. D'accord. Puis d'ailleurs, on aimerait bien qu'il en profite pour faire le rapport, report égale all, et puis générer le header. Le header, on voudrait qu'il porte le nom du stem. Le stem, c'est comme ça qu'en GnuMake s'appelle, ou dans un makefile, la partie qui est inférée, si vous voulez, .hh. Et puis, pendant que j'y suis, je peux carrément lui dire que non seulement ça fabrique un CC, mais ça fabrique aussi un HH et ça fabrique aussi un output. D'accord ? Côté flex, pour fabriquer un CC à partir d'un LL, il faut appeler flex en lui donnant le fichier d'entrée, $inférieur, et en lui disant de produire le fichier de sortie. Vous êtes d'accord ?
Et puis, ma foi, ça va être quand même bien de pouvoir créer des fichiers .o à partir de fichiers .cc. Auquel cas, j'ai besoin de mon compilo, de ces flags, et de dire, de me produire la sortie à partir de l'entrée. Jusque-là, tout va bien ? Ma target, c'est quoi ? C'est calc. Non, je ne suis pas encore prêt. On va commencer par faire parse.o, scan.o. On est d'accord ? Metaxcompile, compile, make. Alors, on a compilé le point O du parseur qui me dit tu utilises une fonction qui s'appelle yylex. C'est pas moi qui l'utilise, hein, c'est le code généré qui utilise yylex, mais on l'a pas encore annoncé. Il n'y a pas de flex, il génère pas un header pour dire tiens, il existe une fonction yylex, utilise-la. On s'en chargera juste après. Ensuite, il nous dit yyerror n'a pas été défini et tout ça. Je vais arrêter de générer tout de suite le parseur parce que ça va trop vite pour moi. On va travailler sur le scanner. Oh, bah ça c'est encore mieux, tiens. Impossible d'ouvrir moins O. Flex, il fait partie de ces fantastiques programmes que je déteste, qui ne savent pas parser, comme Git parfois, hein, qui ne savent pas parser les options quand elles ne sont pas... Alors là, je la colle, d'accord, je lui ai collé. Ça change... Maintenant, il a compris que c'était un seul argument, sauf que cet argument, devinez quoi, il faut le mettre absolument devant. Il fait partie de ces abrutis de programmes, on n'a pas le droit de mettre les options derrière les arguments effectifs. Voilà. Ah oui, c'est vrai que pour une compilation partielle, c'est quand même plus pratique de préciser moins C aussi. Mais vu qu'il avait... ouais. Elle est bonne celle-là. Excusez-moi. Voilà. Vous êtes d'accord, hein? C'est mieux dans ce sens-là. Tout le monde comprend ce qui se passe, hein? Arrêtez-moi si ça va trop vite, hein? Bon, on est content. Ça y est, on a un scanner. Regardons du côté du parseur. Cette fois-ci, pourquoi il nous gronde? Il nous gronde pour plusieurs raisons, enfin pour deux raisons. Première chose, on ne lui a pas annoncé l'existence de la fonction yylex. Et il n'a pas décidé non plus lui-même d'inventer la signature. C'est normal qu'il n'invente pas la signature, parce que déjà, par exemple, yylex, historiquement, elle retournait un int. Je vous l'ai dit, parce que historiquement, les gens ils faisaient des dièses define et donc ils retournaient des int. Sachant qu'on a des énums qui sont à notre disposition, c'est évidemment mieux de retourner des énums. Donc on va déjà lui dire quel est le type de retour qu'on attend, mais on verra aussi par la suite qu'on peut éventuellement avoir envie de donner des arguments rentrants. Donc en fait, la signature de yylex, c'est nous qui la décidons. Non seulement c'est nous qui la décidons pour flex, on va lui dire quelle est la signature qu'on veut, mais on va aussi dire à Bison quelle est la signature qu'on lui expose. Pour l'instant, on va y aller tranquille. On va juste aller dans parse yy, et on va lui donner d'autres directives. La directive %code, qui est là pour injecter... si vous voulez, c'est la même chose que les %accolade. Sauf que %accolade, ça ne précise pas l'endroit où vous voulez que le code soit collé en sortie. Ici, on va vouloir le coller. %code, on va vouloir le dire en... que je ne me trompe pas, en provide. C'est-à-dire que mon parseur fournit une information. C'est pas genre des includes que je vais devoir faire, c'est je fournis une information, et l'information que je fournis, c'est yytoken, enum yytokenType. C'était comme ça que ça s'appelait dans le HH, non? YytokenType. Mon enum yytokenType, c'est le type de retour de yylex. D'accord? Je relance ma compilation. Ça y est, au moins Bison, la compilation de la partie Bison est contente. Il a reconnu la signature de yylex. La deuxième chose, c'est qu'il me dit yyerror n'a pas été ni défini ni déclaré. Je ne connais pas la signature de yyerror et je ne sais pas non plus qu'il n'y a pas de code qui est fourni. Ce qui paraît bizarre quand même. Il est en train de vous dire quand il y a un message d'erreur, je ne sais pas quoi en faire. Ben, c'est assez logique. Votre parseur, il est capable de vous dire quelle est l'erreur, mais le message d'erreur lui-même, où est-ce qu'il doit l'envoyer? Si vous êtes en train de faire un programme traditionnel, Unix, évidemment, STDR s'impose, mais si vous êtes en train de faire un démon,
SDR, c'est pas trop sympa, vous avez plutôt envie d'envoyer ça dans des logs. Si vous êtes en train de faire un programme interactif avec une interface graphique, STDR, c'est pas sympa, vous avez envie d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous mettez le message d'erreur, etc. Donc, forger le message d'erreur, c'est sa tâche, le transmettre à l'utilisateur, c'est la vôtre. Et il est en train de dire, bah, ok, d'accord, mais c'est quoi YYError? Il faut qu'on lui écrive une fonction YYError. Alors, on va lui en écrire une. Je propose YYError, elle prend une conche char étoile, message, et puis, on va l'implémenter ici, fprint std, ouais, j'aime pas, mais hop, stdr, comme ça. En bon zépitien, vous allez me dire, malheureux, on passe jamais une chaîne directement fprintf, hein, ou à printf, ou à sprintf, ou à visprintf, enfin bref, à la famille printf ou scanf, on ne s'amuse pas à passer des chaînes dans lesquelles il pourrait y avoir des petits pourcents, parce qu'il y a des petits malins qui pourraient s'amuser à en profiter pour aller faire des bêtises avec votre programme. Donc, on va demander à printf de considérer que message, c'est une chaîne de caractères. Hop ! Il me dit, c'est quoi STDR ? On lui dit, t'es gentil là quand même, et tu fais vraiment aucun effort. Requires un truc qui s'appelle stdio .h et un autre qui s'appelle stdlib, il risque d'être vachement pratique. Oh, ça compile. On est content. Mais on n'a évidemment pas un programme, hein, parce qu'il nous manque. Main, ce serait bien. On n'a pas de main pour l'instant. Bon, bah on va se donner un main vachement simple. Int main. On appelle yyParse. D'accord ? Bon. Je prends mon CTRL-XB, je cherche mon makefile. Calc. Pour avoir calc, il me faut un parse.o, un scan.o. Et on va appeler le compilo. On va lui filer CCXX flags, on ne sait jamais, même si c'est plutôt des LD flags. On utilise le compilo en disant ma sortie, c'est ce que j'attends à partir de l'entrée. Non, c'est plutôt ça. D'accord ? Tous les gens qui sont en partie gauche de ma règle de makefile doivent être utilisés pour linker ma sortie. S'il y a des problèmes de makefile, personnellement, je considère que ça fait partie de ce cours. S'il y a des trucs pas clairs dans les makefiles et tout ça, je veux en parler. Hein. C'est pas hyper THL, je vous le concède, mais je considère que tout ce qu'on est en train de faire là fait partie de ce qui appartient à ce cours. Donc s'il y a des doutes là-dedans, je veux en entendre parler. Je compile. Ah tiens, maintenant quelque chose de nouveau, il me dit YYWAP n'est pas défini. Dans le point... Alors YYWAP, c'est une fonction qui est assez bizarre. Elle est là pour quand votre scanner frappe end of file. Imaginez que vous soyez en train de faire un compilo C. Dans un compilo C, vous avez une fonctionnalité absolument magnifique qui est le support des modules, qui s'appelle dsinclude. D'accord que... Enfin, vraiment, on est en 2016 et on n'a toujours pas de module. La seule façon de partager du code, c'est carrément de faire du copier-coller. Sauf que le copier-coller, on n'a pas envie de le faire nous-mêmes, on le délègue au scanner. Mais on est quand même en train de dire qu'un module, c'est du copier-coller, que ce soit en C ou en C++, c'est le même combat. Les deux, de ce point de vue-là, sont toutes également rétrogrades. Il y en a juste un qui a déjà des propositions, mais l'autre pas encore. Mais donc, imaginez que vous soyez en train de faire un compilo pour le C, ça veut dire que typiquement, vous allez vous retrouver avec un truc du genre dièse include de stdio. Ça veut dire que vous étiez en train de parser un fichier, brutalement, vous allez mettre en suspens le scanning du fichier en question, ouvrir un autre fichier et continuer à produire comme liste de tokens ceux qui sont en train d'arriver dans le fichier qui est dièse inclus. Pardon ? Ah. Ce qui veut dire qu'on fait la pause maintenant ? Je pense. On fait la pause maintenant. Une pause technique. Est-ce que quelqu'un a des piles LR6 ?
qui s'impose quand même pour le cours de TH1. On s'arrête, on fait une pause et on se reprend ensuite. C'est même pas les données qui les affaires là. Pas, je sais pas si c'est pas si ça n'est pas vu. D'accord. Qui veut des bonbons? Place, s'il vous plaît. On est bon? You still copy? Bien, j'en étais... Backtracker un petit peu. J'en étais à vous expliquer YYWRAP qui est là pour aider l'implémentation de parseurs scanner pour le C. Si vous avez un langage comme le C, dans lequel vous avez une fonctionnalité qui s'appelle dièse include, s'il vous plaît. Alors, son implémentation la plus naturelle, c'est que le parseur n'en est absolument pas au courant. Le parseur ne connaît pas dièse include. C'est géré au niveau du scanner. Le scanner, c'est lui qui est au contact des fichiers d'entrée et des flux de caractères. Et lui, il doit produire des successions de tokens. Dièse include, ça dit simplement, on fait une pause sur le fichier courant. On ouvre un autre fichier. C'est lui qui va nous fournir le flux de caractères à partir duquel je donne les tokens. Et ça, ça peut être récursif s'il y a plusieurs includes, d'accord? Donc pour implémenter le support de dièse include, votre scanner, il a besoin d'un certain nombre de choses relativement simples. La première chose, c'est quand il détecte dièse include, de sauvegarder un certain état qui lui dit où est-ce qu'il est dans le fichier actuel, de façon à pouvoir reprendre le parsing plus tard. Oui. Et du coup, en fait, le dièse define, ça fait également partie du... C'est, oui, oui, quand je dis scanner, c'est Lexer, c'est la même chose. C'est lui qui gère ça, oui. Oui, oui, absolument. Donc, quand il voit passer un dièse include, il sauvegarde l'état actuel du fichier qu'il est en train de scanner, il fait le fopen, initialise, etc., etc., et il parse. Et quand il arrive à end of file, bah, surtout, il ne dit pas end of file au parseur. Évidemment, quand le scanner arrive à un end of file, si jamais vous avez des includes, ce n'est pas le moment de dire au parseur, ça y est, c'est fini, voilà arrivé le vrai end of file. Il faut que quand vous arrivez à end of file, vous ayez la main pour regarder si par hasard, il n'y a pas une pile de fichiers qui sont ouverts et terminer le scanning des fichiers qui sont ouverts. Et c'est ça la tâche de YYWRAP, c'est de vous donner la main quand end of file arrive sur le fichier courant, pour ou bien brancher, dépiler le précédent fichier et continuer le scanning, ou bien cette fois-ci dire vraiment end of file. Là, en ce qui nous concerne, on va simplement dire à Flex, c'est une fonctionnalité qui n'est pas utile pour nous, c'est même pas la peine que tu émettes la fonction YYWRAP quand il y a end of file, c'est vraiment end of file que tu envoies. Alors on va faire ça. On va prendre le scanner et on va donner les directives de Flex. Elle commence toujours par % option et ensuite ce que vous voulez lui faire faire. Et je crois qu'ici il faut lui dire je veux pas YYWRAP. D'accord, donc on relance. Alors il se passe d'autres choses maintenant. Il dit que... Ah, c'est pas de bol ça. Il dit que moi de mon côté j'ai dit que YYLEX retournait un enum. Et de l'autre côté, dans le code généré par Flex, il est marqué que YYLEX retourne un int. D'accord? Alors, en fait, dans Flex, on a aussi envie de lui dire non, tu n'utilises pas ta signature, tu vas utiliser ma signature pour YYLEX. Et la signature en question, il faut la mettre dans YYDECL. D'accord? YYDECL doit contenir la signature qu'on veut utiliser. Compris? Donc je vais reprendre mon parseur et je vais dire, en fait, je vais définir ceci comme étant la signature que je veux pour YY. Non, excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne fonction là.
ça c'est la signature que je veux pour YY lex, et en plus je m'en sers pour annoncer, pour déclarer la signature de YY lex, d'accord. Donc là, j'ai fait deux choses. J'ai défini la macro YYDECL pour que flex connaisse, pas flex, hein, mais le scanner qui est généré, pour que le scanner qui est généré connaisse la signature que je veux, et d'autre part, ici, pour importer la signature à Bison. Je relance ma compilation. On ne va pas s'en sortir, toujours plus d'erreurs. Il me dit que... YY terminate, c'est justement ce qui se passe quand on arrive à end of file. Quand on arrive à end of file, flex dit bah, j'appelle une fonction qui s'appelle YY terminate. Et cette fonction YY terminate, qui d'ailleurs n'est pas une fonction, c'est une macro, elle fait un return de nul, le pointeur, de 0. Elle fait une return de 0. Et nous, on a dit qu'on voulait utiliser des énums. Donc là, on commence à voir qu'il faut quand même pas mal lutter avec ces outils qui sont un peu vieux, mais leur API est restée dans le passé et on est obligé de faire des efforts pour leur dire de moderniser, moderniser leur interface. Il nous faut faire deux choses. D'une part, on va prendre la main et on va dire, bon, je gère moi-même end of file, je crée un token end of file, et je ne veux pas que tu me retournes 0, je veux que tu me retournes le token end of file. D'accord ? Évidemment, quand vous dites end of file, et puis après j'appelle ça end of file, non, je vais mettre OF, je suis paresseux, il faut quand même que Bison il comprenne que là, on est en train de parler de vraiment end of file, et pas juste un token quelconque qui s'appelle EOF. Il faut qu'il sache. Ça se précise en lui disant que c'est le token 0. 0, c'est le numéro de token qui est réservé à end of file. Donc là, on vient de créer un nouveau token qui s'appelle EOF, et on veut, dans le scanner, dire, quand tu es arrivé au bout, tu fais un return de EOF. Tu n'appelles pas la fonction YYTerminate, elle ne m'intéresse pas. Donc, on fait ça avec cette espèce de pseudo-expression rationnelle qui signifie événement end of file, hein, cette succession de caractères. Et là, on a envie de faire return EOF. On recompile. Il me dit, espèce de taré, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Vous voyez le problème ? Il n'y a pas de séquence. Non, c'est pas ça. Non, le 0, 268 et tout ça, on n'est pas préoccupé par ça. Vraiment, non. Le problème est ailleurs. Bon, évidemment, si je ne vous montre pas le message d'erreur, je ne vous laisse aucune chance. Hein. Il nous dit, t'es gentil, mais EOF, quand tu fais du C, c'est déjà défini. Et ça vaut moins 1. Donc, la ligne qui est ici, pour le compilateur, c'est exactement moins 1 est égal à 0. C'est ça dont il se plaint ici. On préférait un identifiant plutôt que ce moins 1 qui est à cet endroit-là. Et d'où il vient le moins 1 ? Il vient de stdio.h dans lequel vous savez bien que EOF c'est moins 1. Quoi. Donc là vous tombez sur quelque chose qui est horrible, qui est les conflits avec les dsdefine. Alors déjà nous on a fait bien gaffe à ne pas aller conflicter avec le reste du monde puisqu'on a fait des énums. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi les énums sont très supérieurs à dsdefine ou pas ? C'est clair dans votre tête ou pas ? Non ? Alors il y a plein de raisons pour lesquelles les gens qui faisaient des dsdefine, mais c'est juste épouvantable dsdefine, hein, épouvantable. D'abord, les dsdefine sont totalement non scopés. Ils en ont c'est du CPP, le C préprocesseur, ils s'en moquent des accolades. Que vous fassiez un dsdefine à l'intérieur d'une paire d'accolades ou pas, c'est pareil, c'est global pour tout ce qui suit. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer introduire un dsdefine quelque part dans une paire d'accolades et espérer qu'à la sortie des accolades, le dsdefine soit désactivé. D'accord ? Conséquence directe, alors que les énums, elles sont scopées, hein, on peut les garder à l'intérieur d'une fonction, etc. La conséquence directe, c'est que tout ce que vous faites en dsdefine, ça leak dans tout le reste. Donc vous pouvez pas avoir une fonction foo qui définit end of file ici et une fonction bar qui définit un autre end of file ici. Ça va faire double définition, ça va pas marcher. En revanche, si vous faites des énums, vous avez votre énum elle est scopée ici et votre énum elle est scopée là. Donc les énums respectent le langage. Première chose. Deuxième chose, les dsdefine, les compilateurs ont fait des efforts
absolument incroyable ces dernières années. Mais auparavant, les DS Define, c'était vraiment de la substitution bête et méchante, ce qui fait que le compilo, il recevait le moins 1. Je ne sais pas si vous réalisez l'effort qui est fourni, pardon. Je sais pas si vous réalisez l'effort qui est fourni par votre compilateur pour vous dire ça. Parce que le compilateur, il a vu passer moins 1. Mais il y a des informations qui ont été laissées entre le préprocesseur C et le compilo C pour que si jamais on ait une erreur à cet endroit-là, on soit capable d'expliquer quelle est la genèse de ce moins 1 et d'où est-ce qu'il vient. Donc le compilateur fait des efforts de taré pour essayer de se souvenir de quelles sont les successions des DSDefined qu'il a fait. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Du coup, on avait des messages d'erreur qui étaient complètement incompréhensibles parce qu'ils vous parlent de ce que le compilateur voyait qui n'a rien à voir avec ce que vous, vous aviez tapé. D'accord ? Donc il y avait déjà ça, c'est que les messages d'erreur, vous parlez d'autre chose. C'est comme si SED, et je pense vraiment ce que je dis, hein, c'est comme si SED était appelé entre le moment où vous tapez et le moment où vous compilez. Le compilo ne voit pas ce que vous avez écrit parce qu'il y a des substitutions qui se passent avant lui. Et donc les messages d'erreur qu'il va faire, c'est par rapport à ce qu'il a vu et pas par rapport à ce que vous avez fait. Et des fois, on ne se comprend juste pas. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle les énums sont très supérieurs, c'est que, et là aussi, les compilateurs depuis ont fait énormément d'efforts pour essayer d'atténuer le problème, mais il n'empêche que continuer de faire des énums, pas des DS Define. Pour les mêmes raisons, si vous avez fait un DS Define de 1, de EOF qui vaut moins 1 par exemple, si vous avez fait un DS Define de EOF qui vaut moins 1, quand vous avez un problème et que vous allez débugger votre code, il va vous parler de moins 1, il ne va pas vous parler de EOF parce que EOF n'existe pas du point de vue langage de programmation. Si vous faites des énums, il va commencer à être capable de vous donner les noms symboliques de ce que vous êtes en train de manipuler. Et donc, si vous aviez fait des parse define, ben ici, avec si vous avez fait des DS Define, pardon, il vous parlerait de 258, de 260, etc. Bonne chance. Alors que si vous étiez avec des énums, votre débugger, il vous parlerait de plus, il vous parlerait de star. Et on a sérieusement monté en niveau d'intelligibilité de ce qui se passe au niveau du débugger. D'une façon générale, tout le monde veut la peau du préprocesseur du C. Tout le monde veut sa peau, quoi. Les gens du C, ils ont un langage qui n'est pas encore suffisamment riche pour qu'ils puissent réellement le faire, mais le C++, il veut la peau du CPP et ne plus jamais l'avoir, et pour d'excellentes raisons. C'est CPP, c'est vraiment appelé SED entre l'utilisateur et le compilateur. Et il se passe des choses complètement mystiques. Hein. Les macros ne respectent pas les priorités des opérateurs, ça expanse du n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment, les macros n'ont absolument aucune relation. En fait, le CPP, il y a même des gens qui servent de CPP pour faire les fichiers de configure. Les fichiers de configuration de Window Manager qui servent de CPP pour faire des fichiers de Makefile avec des DSIF dedans. CPP, c'est un préprocesseur et il a que très peu de rapport avec le C. C'est juste que c'est le préprocesseur habituel, mais en lui-même, il s'en fout du C. Et il ne respecte absolument pas le langage C, d'aucune façon. D'accord ? Ok. Vraiment, on ne veut pas faire ça. Et alors du coup, c'est quoi la réponse ? Alors il y a des gens qui disent la réponse c'est que oulala, il faut éviter d'avoir des conflits, donc je vais rajouter toc devant tous mes tokens. D'accord ? Comme ça, ça évite les conflits. Et alors malheureusement, là je vous ai mis des plus, hein, mais en réalité quand vous faites du yak, vous n'avez pas le droit de mettre des plus et des choses comme ça. Donc ici il faut mettre aussi plus toc underscore. C'est horrible. Vous êtes obligé de massacrer tous vos tokens à l'intérieur de votre grammaire à cause des conflits que ça engendre à l'extérieur. D'accord ? Bon, c'est là où Bison est un peu plus cool que son prédécesseur. Il y a moyen de dire... il y a moyen de dire quoi ? Il y a moyen de dire au secours info Bison search préfixe API token préfixe. C'est le premier truc qui sort, si c'est pas génial. Hop ! Il y a moyen de dire api.token.préfixe toc underscore. Je relance ma compilation. Hop, je regarde le parseur, le parse.hh.
Alors, ils sont où mes énums? Bah, il ne l'a pas mis. Ah, oui, voilà. Voilà. Je lui ai déclaré, je veux que tu préfixes toutes les déclarations extérieures de mes tokens de TOC. Comme ça, je n'ai pas de problème de conflit, il n'y a pas de risque avec EOF, etc. Mais évidemment, ma compilation a échoué. À cause de qui? Bah, à cause du scanner qui, lui, n'est pas au courant qu'on a préfixé TOC partout. Donc, lui, pour le coup, il faut lui mettre son TOC partout. Voilà. Je relance ma compilation. Ça a compilé sur succès. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Point calque. 1 plus 2. Ctrl D. Ctrl C. Ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Echo. 1 plus 2. Pipe. Calque. Ah, là, il me rend la main quand même. J'ai pas compris pourquoi mon Ctrl D n'avait pas marché. Il aurait dû. 1 plus 2 fois 3. Ça a l'air de marcher, hein. À quoi on voit que ça marche? Ça plante pas. Ouais, vous avez raison. En fait, pour l'instant, on a fait juste un truc qui... Ah, syntaxe erreur. On fait un truc qui a l'air de quand même comprendre de quoi on parle, hein. Ça, il est d'accord. Il trouve que c'est légitime. Ça, il trouve que c'est pas légitime. Ça, il trouve que c'est pas légitime, etc. On progresse. On a un truc qui valide déjà de l'arithmétique. Ça valide de l'arithmétique. Ok. Il va falloir qu'on progresse. Premier truc, c'est... Vous avez vu les messages d'erreur? C'est pas hyper sympa. On aimerait bien qu'il nous fasse un petit peu d'effort, là. Alors, je sais plus comment on le dit. Au secours, on va faire info bison. Est-ce que quelqu'un peut aller regarder que la porte est fermée? Tu peux aller regarder que la porte est fermée, s'il te plaît? Erreur... DSDefine error verbose. On va mettre DSDefine. Non, c'est pas DSDefine d'ailleurs, c'est juste pour son error verbose. Merci. Make. Ah, j'avais pas vu ce warning. Il me dit qu'il faut pas les mettre entre guillemets, qu'il faut mettre entre accolades. Bon, il a raison, on va mettre entre accolades. Voilà. Ok, 1 plus 2, pipe, calque, ça continue d'être bon, fois, ah, de mieux en mieux. Bon, déjà, il y a un autre truc qui est frappant, c'est que manifestement, il me manque un retour à la ligne. Mon printf, là, quand il me donne un message d'erreur, il ne met pas le retour à la ligne qui est derrière, c'est à moi à le faire. Et puis là, unexpected end of file, expected parenthèse ouvrante ou num. C'est pas forcément super EOF, c'est pas forcément super num. Pour l'utilisateur, ça veut pas dire grand chose. En fait, d'où il vient EOF? Il vient d'ici, parce que je lui ai donné un nom. Regardez, si je lui donnais pas de nom, c'est encore pire. Évidemment, quand vous avez des tokens et qu'après il veut parler de ces tokens, il est obligé de savoir comment les afficher, quoi. Et... Bison, il ne sait pas ce que EOF, ce que, ou même plus, ici, si je retire le plus. Comment voulez-vous, lui, ce qu'il reçoit de la part du scanner, c'est l'information de savoir qu'il y a le token numéro 123 qui signifie plus. Si on veut parler de plus à l'utilisateur, il faut qu'on puisse donner des renseignements au parseur sur comment les afficher. Et c'est pour ça qu'on donne ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ici, on va mettre number, parce qu'à l'utilisateur, on a envie de lui parler gentiment. Et puis ici, on va lui dire end of file. D'accord? Du coup, évidemment, il faut que je précise qu'ici, c'est un number. Unexpected plus, expected parenthèse ouvrante ou number. OK? On progresse là, hein? Bon, il y a un truc qu'il faut tout de suite qu'on fasse du côté du Makefile, c'est que là, je suis en train de faire des tests. Il est aussi intéressant de regarder que mes tests sont pérennes et j'ai besoin d'une petite test suite. Alors, c'est pas la peine de faire une... Enfin, si, c'est la peine de faire une belle test suite, mais j'ai pas le temps. On va faire juste une mini test suite. Donc, je sais que si je donne 1 plus 2 fois 3 à calque, alors check, elle a intérêt à tourner après all, d'accord? Si je donne 1 plus 2 fois 3 à calque, il faut que ça réussisse. Bah, très bien, c'est exactement ce que ça fait. 1 plus 2 fois 3, ça doit réussir. En revanche, je veux que 1 plus plus ne marche pas.
et je veux que, je sais pas moi, une parenthèse ouvrante, ça marche pas non plus si elle n'est pas fermée. Comme ça. D'accord ? Et comment dire que cette ligne, elle doit échouer ? Ben, en shell, c'est pas difficile, hein, c'est point d'exclamation. Point d'exclamation, ça inverse l'exit status du pipeline. D'accord ? Donc là, je veux que tout ça, je veux m'assurer que make check, ça a l'air de pas marcher. Ça n'a pas marché. Help me, quelqu'un, aidez-moi. Non. Non, le problème est ailleurs. Pardon ? J'ai pas compris. Le point d'exclamation ? Non, le point d'exclamation, c'est vraiment au début de ligne. Là. Je comprends pas ce qui se passe. Là. Le shell, il fait pas ce que j'attendais. Sinon, on peut mettre ou trou à la fin. Non, je veux pas mettre ou trou, parce que si je fais ça, je dis que ça réussit toujours, même si le truc d'avant avait réussi. Et je veux mesurer qu'il ait échoué. Non, là, il y a un truc... Ou alors, c'est pas mon... Bon, je vais regarder ça, mais c'est pas supposé faire ça, là. Ouais, on est d'accord. C'est pas légitime. Là, je suis extrêmement surpris. Y a quelque chose à comprendre. Aidez-moi, là. Vous êtes supposé avoir écrit 42SH, donc vous savez ce qui se passe. C'est quoi ce délire là? Il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une erreur cachée quelque part que j'ai pas compris. Ah merci, c'est Younes qui a raison. Merci Younes. C'est Younes qui a raison. Le problème c'est que j'affiche un message d'erreur mais je fais pas un exit d'erreur. Et pourquoi? Parce que mon main... En C++, si je dis rien, c'est return de 0, quoi. Et en fait, yyparse, son exit status compte. Yyparse, il a 3 exit status. 0 sur succès. 1 sur parse error. 2 sur memory exhausted. Bon, bah, j'ai qu'à faire ça. D'accord. Make check. Et là, ça a réussi. On a vraiment un exit... ma test suite a réussi. D'accord. Je vais la réhabiliter entière. Oui, elle est toute entière. Donc voilà, j'ai ma mini test suite. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle va me permettre de tester que je ne suis pas en train de faire de régression. Là, on a franchi un premier cap. Après, tout va devenir plus compliqué. Après, je vous promets, tout devient plus compliqué parce qu'on va commencer. Là, ce qui nous manque, c'est qu'on ne fait aucun calcul. On ne parse aucun nombre. Enfin, je veux dire, les nombres, on dit « Ah tiens, juste, il y a un nombre », mais on ne cherche pas à calculer sa valeur, etc. Donc, il y a tout l'aspect valeur sémantique qui n'est pas traité. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, je voudrais résumer avec vous, hein, histoire que les choses soient bien claires. On a fait deux choses. D'une part, écrire le scanner en disant « S'il y a un plus, tu préviens le fait qu'il y a l'opérateur plus ». S'il y a un moins, tu préviens le fait qu'il y a un opérateur moins, et ainsi de suite. S'il y a des parenthèses ouvrantes, et ainsi de suite. Ça, c'est du côté du scanner. Ensuite, côté parseur, on a dit, voilà quels sont les tokens qu'on manipule. Voilà la grammaire. Voilà les priorités et associativité pour les opérateurs binaires. Et puis, voici la fonction yyError ainsi que main. D'accord ? On a fait que ça, et là on a un validateur, on a quelque chose qui est un accepteur de l'arithmétique qui est capable de nous produire des messages d'erreur pas mal. Il n'y a toujours pas de location, il va falloir le faire. Mais à partir de maintenant, tout va devenir plus compliqué. Et plus...
on a fini avec la partie THL. Il reste tout le reste à faire pour que ce soit un programme utile. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie THL, Lex, Yak ou Flex Bison? Non? Alors maintenant, je vais vous amener à réfléchir à un certain nombre de problèmes pour lesquels il va falloir trouver des réponses. Le premier problème, c'est évidemment, quand on aura un number, il va falloir en décoder la valeur. Si jamais il est marqué 1, 2, 3, il va falloir décoder ça en 123 et faire passer le 123 à notre parseur. Le parseur, là on est en train de faire une calculatrice dans laquelle il n'y a que des nombres entiers, mais on pourrait avoir une calculatrice qui supporte le concept de nombre entier, de nombre flottant et pourquoi pas d'identifiant de variable. Donc évidemment, notre parseur, il va falloir qu'on l'informe que certaines entités sont de type entier, certaines entités sont de type flottant, certaines entités sont de type identifiant. D'accord ? Et le scanner, il va falloir, quand c'est un entier, qu'il stocke la valeur de l'entier pour la donner, quand c'est un flottant, qu'il stocke la valeur du flottant pour la retourner, et ainsi de suite. Vous voyez le truc ? C'est que l'un et l'autre, il va falloir, l'un et l'autre, il va falloir les prévenir de... quelles sont les valeurs sémantiques et comment on les manipule, ces valeurs sémantiques. D'accord ? Est-ce que tu peux aller voir pourquoi ils font autant de bruit, s'il te plaît, et pourquoi ils... Je suis désolé de te le demander à toi. Non, mais... Merci. Merci. Et côté scanner, on n'a plus une information à retourner, mais deux informations à retourner. On doit retourner le type, c'est-à-dire l'énum, de savoir si je suis en train de regarder un entier ou si je suis en train de regarder un flottant. Et la deuxième information, c'est qu'on doit aussi retourner la valeur de cet entier ou bien de ce flottant. D'accord ? En C, faire plusieurs returns, ça ne marche pas. Donc l'API en C, c'était retourner un énum pour dire quel est le type du token. Et puis à côté, on avait une variable globale dans laquelle on stocke la valeur sémantique. Une valeur, une variable globale, d'accord ? C'est comme ça que faisaient Yak et Lex autrefois. Apparemment, ils attendent la salle. Ils attendent la salle. Mais... Puisque vous les réservez pour le 30. Non, je vais essayer d'en. Il faut leur dire d'aller regarder Chronos, mais que non, quoi. Ou alors je vais le faire. Excusez-moi. Bonjour, c'est qui le responsable là? Bonjour, mais la salle est réservée jusqu'à 1h ici. D'accord, ok, bah, c'est ce que je vais faire. Donc Chronos, merci. C'est bon. Donc autrefois, le protocole de communication entre YYLEX et YYPARSE pour transmettre une valeur sémantique, c'est qu'il y a une variable globale qui s'appelle YYLValue. YY, parce que vous l'aurez compris, pour éviter les problèmes de clash de noms entre un programme qui utilise un parseur et un scanner, et puis justement les symboles du parseur et du scanner, tout lex et tout yak produisent des symboles en YY, pour éviter les conflits. Ensuite, lvalue, enfin lval, pardon, lval, non pas comme lvalue, mais comme lookahead value. Donc vous aviez YYLval, qui est une variable globale de type union, avec un champ pour les doubles s'il fallait mettre des doubles, un champ pour int s'il fallait mettre des int, etc. On ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Déjà pour une raison assez évidente, regardez, ce qu'il fallait écrire autrefois, c'est quelque chose qui revient à ça. Bon, évidemment, il n'est pas marqué 123 en vrai, il faut calculer. Mais vous aviez cette variable globale YYLval, à l'intérieur duquel il fallait aller renseigner le champ num, si vous étiez en train de dire ceci est un num. D'accord ? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans ? Quelque chose d'affreux ? Cet individu-là, c'est une union. C'est une union double, int, conschar étoile, etc. Bah, si vous étiez en train de faire par exemple du camel, ça vous sauterait aux yeux. J'ai parfaitement le droit de faire ici par exemple, ah ben non finalement c'est string égale fou. Donc vous êtes en train d'un côté de dire
tu sais, je t'envoie un number. Et de l'autre côté, renseigner le champ string ou double, ou etc., etc. Il n'y a aucune garantie que l'utilisateur ne soit pas en train de violer les types en disant à Bison, tu sais, un number, ça contient un int, mais en réalité, du côté du scanner, d'aller y mettre un float ou autre chose. C'est quand même affreux. Heureusement, on a une API en C++ qui est beaucoup plus élégante. L'API en C++ pour faire des tokens et tout ça, ça va être de dire, le parseur va me fabriquer des fonctions qui construisent les tokens de tous les types. Et mon parseur, si je lui ai dit que number contient un int, eh ben il va me faire une fonction pour fabriquer un token de type number qui exige un int. Et du coup, au lieu d'avoir une variable globale à l'intérieur duquel on stocke la valeur du token pour lequel on est en train de faire return, on fera return d'une struct très élémentaire qui contient évidemment l'énum qui caractérise qu'est-ce qu'on est en train d'avoir comme token et aussi un champ qui contient sa valeur. Vous voyez ? Au lieu d'aller vers un modèle séparé où on a d'un côté une énum qui dit ce qu'on est en train de manipuler et à côté de ça une variable globale dans laquelle on va aller mettre sa valeur, ben on se retrouve avec une struct qui emballe tout le monde, qui dit voici mon type, voici ma valeur et un petit peu plus tard qui dira aussi voici ma location quand on va vouloir faire le tracking des locations de d'où viennent tous mes symboles. C'est clair pour vous ça ? Bon, ça va obliger à faire plein de changements dans ce qu'on a fait jusqu'à présent parce que pour l'instant, je m'étais contenté de faire quelque chose de très élémentaire en prenant l'API toute bête C. Là maintenant, on va aller vers une API C++ un peu plus évoluée. Alors, première chose, c'est qu'on va lui dire j'aimerais bien faire du C++. D'accord ? On va recompiler pour voir comment il réagit à tout ça. Il commence par me dire que yy-token-type n'est pas défini. Il me dit aussi qu'il n'y a même pas de fonction yy-parse. Bah, ça ne devrait pas tellement être une surprise. Hein. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on fait du C++ ? Cette fois-ci, search-parse. On a une classe. Et cette classe, elle s'appelle parseur d'ailleurs, elle s'appelle pas YY parseur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser un préfixe collé dans le nom, on est en train de faire du C++, les namespaces, ils sont faits pour ça. D'accord ? Donc on commence tout doucement à changer un petit peu notre modèle. Cette fois-ci, on va dire, je vais instancier mon parseur YY parse, et ensuite, je l'appelle. D'accord ? Bon, je ne vais pas écrire les choses comme ça, ça ne va pas lui plaire, c'est the vexing parse. Mais donc je crée un parseur P et ensuite j'appelle parse dessus. Je relance ma compilation. Oui, il me dit qu'elle ne s'appelle pas parse la classe mais qu'elle s'appelle parseur. Ok. La deuxième chose, c'est qu'il me dit yy token n'existe plus. Alors je vais aller regarder le point hash et je vais chercher les tokens. Ah, ils sont là, les tokens. Ils sont à l'intérieur d'une struct token qui sont à l'intérieur de ma classe parseur. Bah oui, étant donné qu'on est en train de faire une classe, tous les types qui sont spécifiques à la grammaire que je suis en train d'étudier, ils vont être emballés dans l'objet parseur plutôt que de traîner en vrac au top level et en C. Si on avait plusieurs YY token type, on serait embêté. Là, c'est chacun dans son namespace et chacun dans son parseur. Ce qui veut dire que je dois adapter mon code. C'est pas YY token type, c'est YY parseur ... token type. Il y a peut-être un underscore dans token type ? Non, c'est YY. Ah, il continue de s'appeler YY token type. D'accord ? Donc le type de retour, c'est ça. Toujours d'accord ? Je relance ma compilation progressivement pour voir où j'en suis. Tiens. Il me dit que... Qu'est-ce que j'ai tapé ? Oui, j'ai oublié token, excusez-moi. Voilà. Ensuite, il me dit que... Oh, bah là, il y a quelque chose qui change. C'est que cette fois-ci, YY, il l'appelle en lui donnant un argument qui est YY lookahead.value.
C'est-à-dire qu'il est dans un modèle intermédiaire qui n'est pas le modèle épouvantable qu'on avait autrefois d'avoir je retourne le type, l'énum qui dit le type du token et j'ai une variable globale. Là on a quelque chose qui est intermédiaire, qui est un petit peu mieux foutu, qui est le return de yylex, c'est le numéro du token, mais je te donne une variable à l'intérieur de une variable locale à l'intérieur de laquelle tu dois mettre la valeur sémantique. D'accord ? Mais je n'ai pas envie d'utiliser ça. On va utiliser un autre modèle. Et là, il va falloir à nouveau que j'aille regarder chez Bison comment on lui dit ça. Info Bison. Ça doit être return. Ou si je cherche dans C++, il va me le dire, non ? C++. Interface, semantic value, variante. Alors on va faire des variantes, mais. Alors attendez, comment ça s'appelle lex.quelque chose? Pardon? Ouais, non, mais là on est dans le pure. Je cherche pas le pure. C'est un peu trop gros là. Hop. Voilà, là ça commence à tenir. Il faut absolument que je me souvienne. Mais là maintenant que ça ne va plus comme un taré, peut-être que je vais retrouver dans C++. C++ interface. Scanner, ah voilà, je pense que c'est ici que ça se passe. Complete symbols, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et API token constructeur, voilà, ok. Alors on va faire deux choses différentes. La première chose, c'est que, je vous l'ai dit, le modèle par défaut qui est utilisé dans Yak, c'est une union. D'accord ? Le modèle par défaut dans Yak, c'est d'utiliser une union. Est-ce que vous savez que les unions et le C++ ne sont pas du tout copains? Imaginez pourquoi les gens du C++ n'aiment pas les unions. Alors quand je dis qu'ils ne sont pas copains, je ne veux pas dire que c'est impossible d'utiliser les unions. Le C++, c'est quand même très majoritairement un surensemble du C. Il y a quelques endroits où on peut arriver à faire du C valide qui serait du C++ invalide, mais il faut commencer à vraiment chercher les ennuis. Ils n'ont pas rendu impossible les unions. Mais les unions, c'est quelque chose qui se mélange mal avec le concept du C++. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ça viole les types, enfin les classes. Les unions, c'est jamais que des castes un peu améliorées. Ça a l'air bizarre ce que je viens de dire, mais enfin, pour des épithéens, ça vous est certainement déjà arrivé qu'on vous dise « t'as pas le droit au caste », et comment on s'en sert dans comment on s'en sort dans ces cas-là? En faisant une union. Pardon? Ouais, mais après, t'as quand même besoin d'un... T'as le droit à ton pointeur sur void pour quitter le type pour arriver sur void, mais après, pour quitter le void étoile, t'as besoin de ton caste quand même. Je suis pas sûr, non. Oui, mais tu dois caster le résultat. Tu peux pas le mettre dans un char étoile directement sans le caster. Ah d'accord, bon bah ok. Je suis désolé, j'ai oublié tous les trucs horribles et donc ça m'étonne vachement ce que tu dis, mais soit. De faire comment? Ouais, c'est horrible. Bon, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. Soit. C'était pas là où je voulais en venir. C'est que imaginez par exemple qu'il y a un int. Imaginez par exemple vous ayez un float et vous voulez regarder les bits qui sont à l'intérieur de votre float. Une des façons faciles, c'est de convertir votre float en un unsigned et puis d'aller parcourir les bits qui sont là-dedans. Si on vous interdit de faire des casts, ben, l'alternative, c'est d'introduire une union en disant j'ai un champ float, j'ai un champ unsigned. Vous chargez la partie float. Et puis vous lisez la partie unsigned. Vous venez de faire un cast, sans le dire. Donc une union, c'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même un degré d'abstraction un peu au-dessus du cast,
parce qu'il va aussi se débrouiller pour l'allocation mémoire, réserver la mémoire qui est nécessaire pour la plus grande de toutes les alternatives. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui vous empêche de charger une union avec un int et de relire le float ou le const char étoile qui est à l'intérieur de cette union. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que le langage, il n'a aucune idée. Quand je dis le langage, je parle du runtime. À l'exécution, votre union n'a absolument aucune idée de ce qu'elle contient. Vous avez vraiment déclaré, ceci est un champ de bits, un champ d'octets, ceci est un champ d'octets qui peut contenir ce type, ce type, ce type, ce type, et c'est tout. Il n'y a aucun tag, il n'y a aucune information qui dise qu'est-ce que ça contient pour l'instant. D'accord ? Ça, c'est clair pour tout le monde que c'est ça les unions. Bon, ça, c'est le côté union. Maintenant, côté C++. Une des garanties les plus fortes et les plus précieuses du C++, c'est un des endroits où vraiment, ça a l'air tout bête, mais ce langage se démarque de pas mal des autres. Il se démarque de Python, il se démarque de C#, il se démarque de Java, il se démarque dans tous les langages qui sont du type garbage collecté. C'est une garantie très forte sur « je t'appelle ton destructeur au moment où l'objet n'est plus utile pour les variables locales. » D'accord ? Et c'est des garanties très fortes. Il vous garantit aussi que si jamais vous introduisez une variable locale ici, si on arrive à la collade, il va appeler le destructeur au moment où on arrive à la collade. Mais s'il y a un return ici, il va appeler le destructeur. Si j'étais dans une boucle ou un switch et il y a un break ici, il va appeler le destructeur. Donc toutes les façons de sortir de vos accolades, il appelle le destructeur, et y compris les choses plus violentes du genre « je suis ici et je te lance une exception ». Ce qui veut dire qu'on va quitter plein de paires d'accolades qui sont au-dessus de nous et tous les objets qui auront été introduits dans une paire d'accolades, etc., dans quelqu'un qui est en train de se faire détruire, on va appeler le destructeur. Et ça, c'est une des forces du C++, c'est il vous dit « si c'est construit, ce sera détruit ». Je ne parle pas des new et tout ça, hein, mais c'est pour des objets variables locales, si c'est construit, ce sera détruit. Maintenant, imaginez que vous ayez une union qui peut contenir une string, ou qui peut contenir une liste de strings, ou un vecteur de string, ou un entier. Et vous mettez dedans une string, et vous faites une variable locale qui contient ce truc-là. Comment voulez-vous que le compilo puisse générer du code qui va appeler le bon destructeur ? Imaginez, vous introduisez cette union, vous mettez une chaîne dedans, vous appelez une fonction qui prend votre union par référence, autrement dit, elle est dans un autre fichier et le compilateur n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous revenez, et évidemment, c'est le bloc qui est ici, qui a introduit l'union, qui va être en charge de la détruire. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ne peut pas le faire. Donc vous comprendrez qu'en C++, vous n'avez pas le droit de mettre d'objet dans une union. Parce que vous ne savez pas comment la détruire. Vous savez pas. Tant que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas faire des choses type safe. D'accord ? Vous comprenez ça ? J'ai été un petit peu caricatural. Le C++ est un peu plus tolérant que ça, de façon à ce qu'on puisse s'en sortir. En gros, il va quand même tolérer les objets qui n'ont pas de destructeur, si vous voulez. Il fait un petit effort pour vous autoriser à mettre des gens dans lesquels, de toute façon, le destructeur n'existe pas. Auquel cas, ne pas l'appeler, ce n'est pas un problème. Mais on est déjà en train de parler de choses qui sont un peu raffinées. Disons qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin pour essayer d'adoucir les choses. Il y en a qui sont en train d'être pas tout à fait... Il y a quelques approximations là-dedans. Mais l'idée générale avec laquelle je voudrais que vous repartiez, c'est qu'on ne met pas des objets dans une union. D'accord ? Ok. Imaginez qu'on soit en train de faire un parseur ou un scanner pour un langage de programmation et qu'il y a des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, vous allez vouloir les stocker dans quoi ? On fait du C++, vous voulez les stocker dans quoi ? C'était des strings. Alors là, pour le coup, c'est une chaîne, enfin, c'est un vrai objet avec un vrai destructeur. Hein ? Et puis, imaginez qu'ensuite, on soit en train de fabriquer des arbres et qu'on manipule nos arbres. Ben, nos arbres, à moins qu'on les manipule par indirection, avec des pointeurs et tout ça, nos arbres, on a peut-être envie de les manipuler par valeur, des vrais nœuds, et de les balader, ces nœuds. Autrement dit, en réalité, l'interdiction pour un parseur et pour un scanner de stocker des objets, c'est insupportable. Ça nous oblige à faire du const char étoile, ou bien ça nous oblige à faire du new std string, et on n'a pas envie.
Parce que qui dit new dit qu'il faut mettre les delete. Qui dit new et delete dit si jamais il y a un throw, si jamais il y a une exception qui est lancée, est-ce que j'ai bien un delete quelque part qui va réclamer la mémoire pour laquelle j'ai fait new? Enfin, on se retrouve tout nu, quoi. À partir du moment où vous gérez la mémoire vous-même, vous n'êtes plus protégé par le compilateur qui s'occupe de vachement de choses pour vous. Donc, on n'a pas du tout envie d'utiliser des unions. On a envie d'utiliser des unions décentes. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle en C++? On appelle ça des variantes. Qu'est-ce que c'est qu'un variante? Fondamentalement, c'est une union, une zone buffer, une zone de mémoire, un certain nombre d'octets qui sont suffisamment grands pour pouvoir stocker chacune des alternatives, plus un discriminant qui dit dans laquelle des situations on est, dans laquelle des alternatives on se trouve. Et ça, c'est ça. Je peux y mettre une ESTD string. Quelque part, j'ai une information qui me dit bah, actuellement, je contiens une ESTD string. Donc, quand il faudra détruire ce truc-là, il faudra appeler le destructeur de ESTD string. Ou bien c'est un vecteur de string, auquel cas j'appellerai le destructeur de vecteur de string, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça y est, j'ai fait tout mon petit laïus. Tout ça pour vous dire que maintenant, je vais dire, c'est malin, c'était écrit de l'autre côté, j'espère que je n'ai pas quitté. Voilà. On va lui dire je veux utiliser des variantes. D'accord? Je veux utiliser des variantes, pas des unions. Je veux utiliser des variantes. Et puis par ailleurs, on va aussi lui dire, je veux utiliser des constructeurs de tokens. Je vais vous montrer les constructeurs de tokens juste après. D'accord? Mais d'abord, les variantes, qu'est-ce que ça change? Ça change que, bah, ici, parmi tous mes tokens, j'en ai un qui n'est pas comme les autres. J'ai num qui contient un entier. D'accord? Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Il y a aussi il y a aussi exp. Pardon, n'importe quoi. Il y a aussi exp qui contiendra des entiers. Évidemment. Après, ce qui va m'intéresser, c'est évidemment de dire que les expressions ont une valeur et qu'il faut continuer de maintenir cette valeur. Ça, c'est clair pour vous ce que je viens de faire avec ça? Je viens de déclarer le token num, il a une valeur sémantique qui est de type int, et les non-terminaux exp, ils sont de type int aussi. D'accord? Je recompile, histoire de regarder ce qui se passe. Alors, il se passe plein de choses, là. Il me dit que token et tout ça, ça n'existe plus. Ben, il a raison, hein, parce que maintenant, ils sont devenus... ils habitent dans YY parser token, etc. On va aller regarder le code qui est généré. Token alors search num par exemple. Donc il y a num qui est là dehors, mais on a dit qu'on voulait plus utiliser ça. Je continue de chercher num et ah regardez, il y a une fonction qui s'appelle make r paren, make l paren, make slash etc. C'est chacun de mes tokens est devenu une fonction. Tous les arguments, tous mes symboles qui n'ont pas de valeur sémantique, ben j'ai rien à leur donner. En revanche, number qui a une valeur sémantique, je dois la fournir. D'accord? Alors, on va quand même regarder à l'intérieur de quoi on est. La fonction makeof, elle est à l'intérieur de quoi? Ben elle a l'air d'être à l'intérieur directement de parser. Donc je vais chercher mon scanner et je remplace tout ça par yy, :// parser, :// make underscore. Oui? Ouais, les parenthèses, ça va être utile, je suis d'accord. Oups. Yank, yank. Et puis ici, pour commencer, on va dire que mon entier, c'est 123. Je relance la compilation pour voir si je suis toujours dans les bonnes... Alors... no viable conversion depuis parser symbol. Ah oui, oui, évidemment, oui. J'ai quand même. Je suis toujours en train d'annoncer, comme un bonnet, que je retourne des énumes. Je suis plus en train de retourner des énumes, là, je suis vraiment en train de retourner des symboles. Alors, comment s'appellent ces symboles? Bon, il n'y a qu'à aller regarder hein, dans search symbol. Les types des symboles, ils sont où? Le complete symbol, non, c'est pas ça. C'est pas basic symbol qui nous intéresse.
symbol by type, symbol type, voilà. C'est tout bête. Alors je vais ici déclarer qu'on retourne un symbol type. D'accord ? Recompile. Alors, le conflit, on va le traiter juste après. Refers to a type def. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Merci. Un petit moment d'hésitation. On progresse. Maintenant, il nous dit YYError, elle n'est pas définie. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'on est en train de faire un parseur qui est un objet, il y a intérêt à ce que ce soit une fonction. Et vous remarquerez qu'il a déjà fait la déclaration. Et il est précisé ici que cette fois-ci, c'est une EST des strings qui nous donne. Donc en fait, main en implémentation de YYParser de point de point YError, c'est de prendre une STD string ref message, de l'envoyer sur STDR d'accord, je recompile, il se passe des trucs là, on va faire le make check juste pour voir mieux. Mieux. Alors, évidemment, un truc qui serait utile, c'est qu'on puisse afficher les résultats et qu'on les manipule, tous ces résultats. Il faut que notre parseur, il faut que le générateur de parseur, il nous donne un moyen d'accéder à la valeur sémantique de chacun de ces individus. Le number qui est ici, par exemple, je voudrais savoir combien il vaut. D'accord ? Eh bien, les symboles qui sont en partie gauche, droite de règle, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, etc. Par exemple, lui, c'est le symbole numéro 3. Bah oui, parce qu'il y a le symbole 1 qui est là, le symbole 2 qui est là, et le symbole 3 qui est là. D'accord ? Et ce que je vais avoir envie de faire, bah, c'est de regarder, t'es qui toi ? Valeur sémantique, ça s'écrit comme ça. Dollar, le numéro du symbole. D'accord ? T'es qui toi, number ? Alors à votre avis, si je fais écho 1 plus 2 fois 3, ça va m'afficher quoi ? Pardon ? J'ai pas recompilé, je pensais avoir recompilé, mais j'avais recompilé. 123, 123, 123. On est passé trois fois dans la règle qui dit qu'une expression ça peut être un number et on a décrété que tous les numbers du monde c'était 123. Jusque-là, personne n'est surpris ? Ok. On va progresser, hein. Dans le scanner, ça pourrait être bien de commencer à décoder la valeur qu'on a reçue. Qu'est-ce que vous connaissez comme API pour convertir une chaîne de caractères en un entier ? Atoui, jamais. C'est une merde. STR2L. Ok. Atoui, c'est épouvantable. Vous n'avez aucun contrôle sur est-ce que tu as réussi à lire toute la chaîne. S'il n'a pas réussi à lire toute la chaîne, jusqu'où il est arrivé dans la lecture de la chaîne. C'est vraiment nul, quoi. Atoui n'aurait jamais dû exister. Vous voulez faire du STR2L. Alors, STR2L, il faut lui dire... La chaîne de caractères qu'on est en train de regarder. Ah. Bah là, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut que le scanner vous dise, tu sais, tu m'as demandé d'aller chercher un ou plusieurs chiffres décimaux. Bah les voilà. Ils sont depuis YYText. D'accord ? Et le nombre de caractères, c'est YYlang. D'accord ? Là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Et puis, vous vous souvenez de l'API de STR2L, hein ? Il faut lui donner le flux d'entrée, il faut lui donner un pointeur sur pointeur pour qu'il nous dise si jamais il a lu des chiffres décimaux, à partir de quand il y a autre chose. Et puis, la base. Bon, si j'ai pas envie qu'il me... J'ai pas besoin qu'il me dise jusqu'où il va, parce que étant donné que je lui file que des entiers, que des chiffres décimaux, ça sert à rien d'aller au-delà. Et si je lui dis que la base c'est 0, il considère que la base c'est 10. Donc on va lui dire nul PTR et puis 0. D'accord ? Ça vous va ça ? Alors, il manque une parenthèse, merci.
1, 2, 3. On progresse. Maintenant, ce serait bien de faire des calculs avec tout ça. Par exemple, tiens, si j'ai un plus, le résultat, c'est le premier plus le troisième. Je vois que tu as suivi ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, on va afficher le résultat. Ah. Et là, ça va m'afficher quoi? Pour 1 plus 2 fois 3, il va m'afficher quoi? Pour 1 plus 2 fois 3, il va m'afficher... Il faut recompiler. Sincèrement, j'en ai aucune idée de ce qu'il va afficher. Je sais pas. 2, bon. On a plutôt du bol. En réalité, le pauvre gars, le 1 dans 1 plus 2, on n'a pas dit qui c'était. Et le résultat du foie, on n'a pas dit ce que c'était non plus. Donc en gros, on est en train de ramasser des trucs random en mémoire. Pas de bol, là il se trouve qu'il a dû manifestement ramasser des zéros. Quoi. Mais il est temps quand même de préciser ce qui se passe pour tout le monde. Hein. Si j'ai un signe de slash, il faut faire une division. Si j'ai un signe de produit, il faut faire un produit. Si j'ai un signe de soustraction, etc. Et mine de rien, quelle est la valeur de mon $$ ici? Bah c'est $1, il faut le dire, quoi. D'accord? Hop, je recompile. Conflit. Pourquoi il y a un conflit? Ah oui, et il me dit, hey, il y a un conflit sur la règle, la dernière règle, là. La raison pour laquelle il nous dit qu'il y a un conflit sur la dernière règle, un conflit de type sur action implicite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est ce qu'on a mis entre accolades. Ce qui va être déclenché à chaque fois que la règle est reconnue et qu'on fait la réduction de la règle. Et ça va être la partie action qui est entre accolades qui dit ce qu'il faut faire au niveau des valeurs sémantiques. D'accord? Par défaut, si vous dites rien, l'action implicite, c'est $$ est égal à $1. D'accord? Bah ici, il est en train de dire, t'es sûr là? Faire $$ est égal à $1, ça veut dire que tu es en train d'initialiser la valeur de ce truc-là, c'est-à-dire une expression, hein, avec la valeur du premier token qui n'a pas de valeur. Tu es en train de stocker du void dans du int. Il est en train de nous prévenir, attention, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de faire. Bon, il a raison, ici, notre valeur sémantique, c'est $2. On est d'accord? Je recompile. Il a l'air d'être content avec tout ce qu'on fait. Ouh. On a bien notre 1 qui arrive, on a bien notre 2 qui arrive, dont la somme, ça fait 3 que... Non, 1 plus 2 fois... Non, pardon. On a le 1 qui arrive, on a le 2 et 3 qui arrivent, dont le produit fait 6, et quand j'ajoute 6 à 1, ça nous fait bien 7. On est d'accord? Bon, évidemment, présenté comme ça, c'est pas très sympathique. Elle est un petit peu exagérément verbeuse. On va peut-être flinguer... Hop. Je suis allé trop loin, là. Voilà, ça vous va ça? Je recompile, je relance et ça affiche. Bah rien, il va peut-être falloir mettre un... Où est-ce que je mets l'affichage du résultat? À exp, mais laquelle? Le plus, le moins, le fois? Bah aucune de ces gens-là. En fait, en réalité, j'ai vraiment envie de dire mon input... C'est une expression, et une fois que tu l'as calculé, tu l'affiches ton résultat. Hein? Backslash, il est là, point virgule, il est là, hop. Et puis on va mettre un point virgule pour faire propre. D'accord? Je recompile. Yeah! Oui? Eh, quand même, quoi. C'est un vrai succès, hein? Ça marche. Alors 1 plus 2 fois 3, 1 plus 2 ça fait 3, fois 3 ça fait 9, plus 4 ça fait 13, on est d'accord. Ça vous va ça?
Et en fait, on a même fait une calculatrice. Il n'y a rien qui vous gêne. Depuis tout à l'heure, et... moi, il y a un truc qui me titille, il n'y a personne qui m'en parle. Il n'y a rien qui vous gêne dans ce que je viens de faire, là? Il n'y a rien qui vous surprend? Elle marche. Et en plus, elle affiche le résultat maintenant. Il faudra la gonfler, la test suite. Mais c'est encore trop tôt, il y a un autre souci. Il n'y a rien qui vous... Il n'y a rien. Ah ouais, tiens, il y a un retour à la ligne. Vous savez pourquoi il y a un retour à la ligne? À cause d'un truc pourritissime dans Flex, qui est que tous les caractères pour lesquels vous n'avez rien dit, ils ont une règle implicite qui est tu les forward, tu restes des out. Donc évidemment, quand on tape 1 plus 2 fois 3 hunter, le hunter, il n'a pas été pris en compte et il se retrouve dans std out. C'est pour ça que j'ai des std out. Mais du coup, et il y a un truc qui est génial, ça veut dire que notre calculatrice, elle est capable de faire de l'élite. Hein. C'est du 4 fois 7. Il y a qui d'autre qui... 4 fois 7, il y a quoi d'autre qui... fois 1. Non, plus 1. Quatre fois 7, 28, plus 1. Enfin, 1, ça ne s'écrit pas vraiment comme ça. Hein. Normalement, c'est un U, mais trouvez-moi... qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres nombres qu'on pourrait écrire avec... un nombre avec du 3. Ouais, 3, ça prend... C'est dommage, 3, ça prend pas un 3 dedans. Bon, bref. Vous avez vu le problème, c'est que tous les caractères pour lesquels on n'a rien dit, ils sont ignorés, et donc forcément, ça ne fait pas du tout ce qu'on veut. Il y a une première chose, c'est qu'on va dire à Flex d'arrêter les dégâts. Et je crois que c'est nos defaults. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais plus. On va voir, hein. Flex, voilà, ça marche. C'est vraiment no default, il n'y a pas de règle par défaut. Et il dit que jammed, c'est enrayé. La machine est enrayée. Bah oui, on a laissé passer des tokens dans les engrenages qui n'étaient pas faits pour aller là. Donc là, maintenant, c'est charge à nous de dire tout ce qui se passe pour tous les autres qui traînent. Les autres qui traînent, ça s'écrit point. C'est des expressions rationnelles. N'importe quoi d'autre, ça s'écrit point. Et quand vous avez point, vous avez envie de faire quoi? Vous avez envie de dire, hé, il y a quelqu'un de pas bien ici. Invalid. Tu as absolument raison et tu vas un petit peu trop vite pour moi, mais tu as complètement raison. Hop, je recompile. Ça fait pas tout à fait ce que je voulais. Ah oui, lang, excusez-moi. Et token, enfin c'est le texte qui m'intéresse, pas la longueur de ce qui a été matché. Invalide caractère, etc. Et puis à la fin, c'est quand même jammed. Et c'est jammed à cause de exactement ce que tu as dit, c'est que point, pour faire comme les autres, Flex a décrété que dans point, il y a tout le monde, sauf Max Lachen. Bon, alors évidemment, on pourrait dire, tu sais, ou bien Max Lachen, mais là, en vrai, on n'a pas du tout envie de ça, on a envie de dire que Max Lachen est parfaitement légitime. Auquel cas, on fait quoi quand on a un Max Lachen? Il faut faire quoi? On fait un return de... On fait un return de rien du tout. Ah, alors là, on a un truc qui est un peu spécial, qui est que quand mon scanner tombe sur un caractère à ignorer, ben, il doit l'ignorer et passer au caractère d'après. D'accord? Alors évidemment, il y aurait une méthode de bourrin qui consiste à dire, tu vois, tu viens de prendre un retour à la ligne, cher yyflex, alors on va faire return yyflex. Je rappelle le scanner et c'est ce que je suis en train de faire qui est mon résultat. D'accord? Ce serait vachement logique de faire ça. Sauf que c'est tellement fréquent d'avoir des caractères à ignorer, tous les blancs, tous les commentaires, etc., qu'en réalité, Flex, quand il génère le code, Lex aussi, hein, il génère une énorme boucle while. While 1. D'accord? C'est pour ça que vous faites un return. C'est pour non seulement préciser le résultat, mais aussi dire « je sors de ma boucle ». Donc en réalité, il suffirait de dire ne rien faire. Juste vous dites rien, ben vous retournez dans la boucle while qui va aller chercher le token qui est juste derrière. Sauf que c'est affreux, personnellement je déteste laisser des actions qui ne disent pas ce qu'il faut faire. Là, si on veut être explicite,
continue, bien sûr. Et c'est, en plus, c'est hyper lisible. Donc, continue. Et en fait, non seulement on va vouloir faire ça sur retour à la ligne, mais on va vouloir faire ça aussi sur les bancs et éventuellement backslash n. Et puis, ma foi, ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais il se trouve que d'un point de vue performance, il est beaucoup plus intéressant d'essayer de matcher le truc le plus long possible plutôt que de matcher plein de petits trucs les uns derrière les autres. Donc en réalité, plutôt que dire « alors ce blanc-là, je l'ignore, etc. », vous voulez dire « succession de blancs, je les ignore. » D'accord ? Je recompile, ça a l'air de marcher. 1 plus 2 fois 4, il me dit qu'il y a plein de caractères d'erreur. Cela dit, c'est logique. On n'a rien dit du tout sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un code d'erreur. Ça, je vais le traiter plus tard. Je vais le traiter dans un deuxième temps. Mais bon, au moins, ça marche. Ça affiche le bon résultat et je peux aller améliorer ma test suite. Je veux dire que si tu exécutes ça, tu dois obtenir 3. Si tu exécutes ça, tu dois obtenir 1 plus 2 fois 7. Et si c'est parenthésé, ce serait de bon goût d'avoir 9. Des surprises dans ce que j'ai écrit? Le double dollar et tout ça, c'est clair pour tout le monde? Le double dollar, c'est parce que, regardez ici, les dollars sont interceptés par make. Ça le concerne. À chaque fois que vous mettez dollar quelque chose, il va chercher, c'est pour lui, vous lui parlez. Si vous voulez échapper un dollar pour le laisser passer à la commande shell, c'est pas backslash dollar, c'est dollar dollar. L'échappement de dollar en make, c'est dollar dollar. Et donc là, en réalité, si j'étais en shell, j'aurais juste tapé ça. C'est j'exécute la sous-commande echo pipe calc, mais voilà, je suis obligé de la dupliquer. Make check, ça marche. D'accord ? On progresse. Alors, quelles sont les différentes façons qu'on pourrait avoir d'améliorer notre truc ? Calc, 1 plus 2 fois 3. 1 plus 2 fois 3, j'ai dit. Ah, c'est tout cassé, je recommence. 1 plus... c'est tout cassé. Bon, il y a un truc qui est super qui s'appelle RLVRAP. Hein. 1 plus 2 fois 3 Hunter... j'ai tapé sur quelque chose qui n'allait pas. CTRL D au secours. Bon, on va pas faire LRLVRAP. Mais vous voyez déjà ce qui m'ennuie? C'est quand je lui tape 1 plus 2 fois 3 Enter, il répond pas. Et quand je lui redemande 1 plus 2 fois 3, il me fait syntax error. Hein? 1, c'est un calcul légitime. 2, c'est un calcul légitime. Et là, il me fait... qu'est-ce qu'il y a qui va pas? En fait, même pas. Pour lui, étant donné qu'on lui a dit qu'on ignorait les blancs, c'est exactement la même chose que ça. C'est exactement la même chose quand je tape 1 Hunter 2. Vu que je lui ai dit qu'un retour à la ligne, c'était un blanc, il ignore mon calcul. Enfin, pardon, il ignore mon retour à la ligne et pour lui, bah, il voit exactement passer un 1 suivi d'un 2. Et évidemment, c'est une syntaxe d'erreur. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est une calculatrice interactive. Pour une calculatrice interactive, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans mon programme? Pardon? Oui, évidemment, on lui a dit de parser que l'input, c'était même pas une ligne, hein. C'est une expression. Et on ignore les blancs. Tous les blancs, y compris les retours à la ligne. Donc si je veux aller vers une calculatrice interactive, il commence à y avoir d'autres changements à faire. J'ai aussi end of line, qui devient un caractère significatif pour moi. Il se met à appartenir à ma grammaire. Et j'ai envie de dire, mon input, en fait, c'est ou bien une ligne. Comment je peux le faire? Alors, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, mais mon input, c'est ou bien suivi de end of line. L'autre, pas de bol. Ou bien de dire que
Il y a aussi une autre, il y a un autre input qui est derrière. D'accord ? Je veux dire qu'une entrée, c'est une ou plusieurs lignes. Vous êtes d'accord ? Et à chaque fois, ce que je veux afficher, c'est le premier de ces individus. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça, c'est mon input. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer ? Je vais dans mon scanner, j'arrête d'ignorer les blancs, enfin, j'arrête d'ignorer les retours à la ligne comme étant des gens sans sémantique. Ils ont une sémantique, et la sémantique en question, c'est end of line. Je recompile. La test suite est passée, très bien. Calque, 1 plus 2, hunter. 3 plus 4, hunter. 5 plus 6, hunter. Contrôle D. Mais pourquoi il ne répond pas contrôle D? Ça, ça m'emmerde terriblement là. Ah, il faut que je fasse hunter après. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe? Il n'y a pas? Il a repéré le end of file, sauf que, honnêtement, là pour le coup, je suis surpris. Je ne vois pas pourquoi mon contrôle D, j'ai dû. Peut-être j'ai fait des bêtises avec mon shell auparavant, mais ça m'étonne. Ouais, j'avais fait des bêtises avec mon shell. Contrôle D marche. C'est juste, mon shell était dans un drôle d'état. Mais quand je fais CTRL D, alors d'abord quand je fais Hunter, il répond pas, et puis quand je fais CTRL D, vous avez vu ce qui se passe? 1, 2, 33, 444, 5555, CTRL D. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? J'ai pas compris ce que tu disais. Parle plus fort. End of line? Non, non, c'est le end of line, il est bien là pour représenter. Ici là? Ah, vous me faites peur, mais vous n'avez pas idée là. Hein. Franchement, vous imaginez ce que vous êtes en train de me dire hein? Vous me faites trop peur, les gars. Heureusement que le C++, ça date que de la semaine dernière. Hein, mais c'est effrayant ce que vous me racontez. Évidemment, ça change rien, que dalle. Attends, parce que là, il y a des trucs vraiment hyper graves là. La différence entre handle et backslash n, c'est il n'y en a qu'une seule déjà. Il n'y en a qu'une seule. La plupart d'entre vous pensent qu'il y en a deux, mais il n'y en a qu'une seule. C'est que handle, il envoie le backslash n et il fait un flush derrière. Qu'est-ce que c'est qu'un flush? C'est vider les tampons. Vous imaginez sérieusement là que si je ne vide pas les tampons, alors mon crétin de tampon, il est en last in first out. Je te push un retour à la ligne, et puis après je te push deux retours à la ligne, et trois, et après je les fais dans l'autre sens. Non, vous imaginez vraiment que les mecs, ils ont inventé des tampons LIFO? Alors, il y a peut-être un con qui l'a fait, mais rassurez-vous, le bug a été corrigé depuis vachement longtemps. Le fait de dire flush, ça ne va pas inverser l'ordre dans lequel les choses sont envoyées en sortie effective. Évidemment pas. La seule différence entre backslash n et handle, c'est que handle, il flush. Est-ce que vous... Ouais. Voilà, et il y a plein de gens qui s'y mettent, il y a du FUD, il y a du FUD, vous êtes en phase d'apprentissage, donc c'est normal d'y croire, hein. Il y a du FUD qui prétend que sur Windows, ça fait une différence, parce que STD Handle, il envoie backslash R, backslash N. Faux, backslash N, il est en charge de ça aussi quand vous êtes sous Windows. Backslash N, il fait le backslash R, backslash N quand vous êtes sur la plateforme Windows. D'accord? Donc il n'y a aucune différence à part le flush. Et là, vous dites, oui, mais le flush, c'est vachement utile parce que ça permet d'envoyer les trucs vers la sortie, quoi. Ok, d'accord. Alors, attendez, on va réfléchir un instant. Il y a des mecs, il y a des années et des années et des années et des années, ils ont inventé le concept de tampon. Le concept de tampon, c'est de dire,
Par exemple, quand je suis en train d'envoyer des données dans mon fichier, ça va probablement aller sur le disque. Le disque, je dis disque même si on est en 2016 et c'est un petit peu passéiste, mais mon disque c'est quoi? C'est un truc qui tourne et puis j'ai une tête qui se déplace et puis vas-y que je te cherche le secteur, etc. Et donc vous arrivez et vous dites mon fichier, j'envoie Hello World. J'envoie H. Déplacement, hop, je pose le H. E, je pose le E. L, bon, vous voyez le bordel, hein, c'est le pauvre gars, là, il est obligé d'aller déplacer sa tête, etc., et d'aller écrire un caractère, sachant que vous savez bien qu'il n'écrit pas un caractère, hein, il est obligé d'écrire tout le secteur, etc., mais donc il va là-bas, et puis il se démerde pour mettre à jour le secteur qui correspond. C'est peut-être plus intelligent, sachant que votre secteur, il doit faire, je sais pas, au moins 1 kilo ou quelque chose comme ça, ou 256 si on est sur des vieilles machines. Mais votre secteur, il est capable de contenir quand même une tripotée d'informations. Donc aller écrire un octet à la fois dans votre secteur, c'est complètement crétin. C'est vachement plus intelligent d'avoir un buffer dans lequel vous mettez en attente les choses, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse toutes les écrire d'un coup sur votre disque. Oui. Donc vos buffers, ils sont là pour accélérer le traitement. Et tout ce que je viens de raconter, ça reste valide avec des SSD, hein, c'est pareil. C'est pas la peine d'aller traverser le bus et tout ça pour aller lui dire, eh tiens, il y a un caractère qui va arriver, on va partir dans le bus et puis on va commencer à aller embêter le SSD quand on aura plusieurs choses à écrire. Autrement dit, les buffers, ils ont été inventés pour que les choses soient rapides. Là, je vous ai parlé de l'écriture, mais en lecture, c'est peut-être encore plus clair. C'est évidemment en lecture, vous n'avez pas envie d'aller chercher un octet, puis aller chercher un autre octet, en traversant le bus pour aller chercher juste 8 pauvres bits à la fois. Vous avez envie de tout un batch. Donc les buffers, ils ont été inventés pour que ce soit rapide. Et vous, vous arrivez et vous dites, les buffers, je m'en fous, handle. Et vous ruinez les performances, vous n'en avez pas idée, quoi. Peut-être on devrait vous en donner une idée. Fou.cc, tiens, c'est une bonne tête, fou.cc. Tiens, manifestement, je faisais du YAML. IOStream for int i est égal 0 à, je sais pas, gros, plus plus i. D'accord. Std cout de i de point de point, std de point handle. D'accord. Clang plus plus, 3.9, on va lui dire d'essayer d'optimiser quand même. Hein. On ne va pas commencer à bencher des trucs qui ne sont pas en mode optimisé, ça n'a pas beaucoup de sens. On va mettre ça dans un fichier. Ok, il me dit que ça lui a pris 19 secondes user, enfin au total j'en ai pour 3 secondes. C'est pas beaucoup. Ah oui. Donc j'en ai quand même pour 3 secondes. Vous remarquerez que le user, il a quand même du travail à faire. Mais le pauvre système pend dans ta gueule, quoi. C'est. Et vas-y que je te flush, te flush, te flush, te flush. Bon. Ah, le temps système, piou! Il n'y a plus rien. Ben, il n'y a plus que le dernier flush, à peu de choses près, quoi. Il y a plus que ça, mais vous avez vu, on a fait un x5 en performance. Hein. On a fait un x5. Et en plus, c'est parce que je suis en train de stocker dans un fichier, donc je suis vraiment en train de faire travailler mon système. Dans dev nul, ça me donne quoi? C'est un petit peu mieux. Et l'autre? Dans DevNull, ouais, bon, on voit qu'il y a quand même un petit peu moins de travail à faire. Toujours est-il que je reste 2 fois plus lent en faisant les handles. Ne faites pas les handles, ils sont là juste pour ruiner vos performances. Si vous faites handle, vous êtes en train de dire, il y a des gens qui ont inventé les tampons, mais je m'en tamponne. Voilà, je ne veux pas m'en servir. C'est pas particulièrement astucieux. Ok, l'erreur est ailleurs. Oui. Eh oui. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Ici, le problème, c'est que input, elle est récursive à droite. Ça veut dire que ici,
cette ligne, cette expression isolée, l'expression isolée qui est ici, qui est mon point de départ, ben ça va être la dernière et non pas la première. Donc en fait, il est en train... c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je le manifeste. Hein. Là, je suis dans le K1. Où je vais mettre une chaîne K1. Et là, K2. Il était où? Ouais, non, c'était pas ça. Excusez-moi, on va recommencer. Calque, 1, 2, 2, 3, 3, 3, contrôle D. Le K1, qui est le cas terminal, mais c'est celui qu'on a obligé à ramasser la dernière des expressions. Alors que c'est en réalité lui qui devrait commencer par être exécuté. Ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est ça. Il nous faut une récursion à droite, à gauche, pardon, et non pas à droite. Bon, par ailleurs, mon expression, du coup, elle est plus $1. Vous avez un petit sucre qui est parfois agréable, hein, c'est de dire, en fait, je te parle de l'expression. D'accord? Donc, je recompile. Test too many arguments. Ah là, il y a un truc... Oui, ah oui. Il n'est pas d'accord parce que maintenant il est affiché 2 et 1 devant, et donc évidemment ça pourrit son... Mais on va les retirer. Donc le make check, c'est normal qu'il échoue. Calque, 1, 2, 2. Ah bah de toute façon on voit déjà le résultat, ça y est, on est vraiment interactif. D'accord? Bon, cela dit, c'est vraiment très très moche. C'est très très moche pour plusieurs raisons. Contrôle XRK. Déjà, il y a de la redondance, quoi. Ce serait tellement plus simple de dire, voilà, il y a une ligne. Une ligne, c'est une expression suivie de end of file, et dans ce cas-là, il faut donner le résultat. Et de dire que mon input, c'est ligne, ou bien input et ligne. Et puis quand on en est là, honnêtement, pourquoi interdire à l'utilisateur de lancer la calculatrice et de sortir sans faire de calcul? On a envie d'autoriser aussi le fait de... Et epsilon, si vous voulez, ne rien avoir. D'accord? Je dis que mon input, c'est 0 ou plusieurs lignes au lieu d'être une ou plusieurs lignes. Bon, je vous conseille de ne pas dire empty sans le dire. En bison, vous avez le droit à $empty, qui est une façon de matérialiser le fait que ceci est une règle vide et j'ai pas fait d'erreur, c'est vraiment ce que je voulais dire. D'accord? 1 plus 2 fois 3, ok. 1 plus 2 fois 3, ok. 1 plus plus 2... Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pardon? Ben, on sort d'un programme interactif. Vous imaginez le shell si c'était comme ça? Le shell, en plus, en général, c'est le seul processus de votre terminal, en général. Et quand le terminal détecte que le sous-programme est quitté, qu'est-ce qu'il fait? La fenêtre disparaît. Donc vous faites une faute de FARP et paf, vous perdez votre fenêtre. Génial, vous n'avez même pas le temps de savoir ce qu'il vous a dit, quoi. C'est excellent, on va chasser, c'est vraiment cool. Ah oui, d'accord, un 7-E ou un truc comme ça. Ouais, ça c'est les bonnes blagues, tiens. 7-E dans un bash RC, oh la vache. Ok. On n'a pas du tout envie de ça. D'accord. Mais alors pour le coup, ça veut dire que on ne veut plus se satisfaire de la simple... détection d'erreur, on veut faire de la reprise sur erreur. Et alors si vous réfléchissez à la reprise sur erreur, les choses deviennent un petit peu plus trapues. Parce que votre parseur, au fur et à mesure de son avancée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il charge sa pile. D'accord? Il y a des symboles qui sont sur la pile et qui attendent leur tour de réduction. Et puis, sur le flux d'entrée, il y a des tokens qui arrivent. Qu'est-ce que c'est qu'une parse error? Si on arrive sur un état qui donc caractérise une certaine pile, et puis un token qui n'a rien à foutre là. C'est là où on a un parse error, c'est qu'il y a un lookahead qui arrive, et ce lookahead n'est pas légitime par rapport à l'état dans lequel je me trouve. On veut faire de la reprise sur erreur, c'est-à-dire, on veut arriver à rendre la main au parsing comme si tout s'était bien passé. Vous vous souvenez de LL? LL, c'est une bonne façon de réfléchir à qu'est-ce que c'est que de faire de la reprise sur erreur. J'ai une fonction exp, par exemple, qui est en charge de parser une expression. Si jamais mon exp
ma fonction expression, elle ramasse une parse error, il faut qu'elle nettoie le flux d'entrée et qu'elle rende la main, qu'elle fasse un return, de façon à ce que la personne qui l'a appelée ait le plus de chances possible de continuer. Ben pour continuer, il faut que exp ait jeté tout ce qu'elle avait accumulé, qu'elle pensait être pour elle et dont elle ne va pas pouvoir se servir. Vous vous souvenez que expression, elle est en charge des additifs. Donc si par exemple il est marqué 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus, etc., il va quand même falloir jeter le 1, plus 2, etc., toutes les choses qu'elle avait gardées, dont elle pensait qu'elle pourrait faire quelque chose, mais en réalité ça ne sert pas. Donc, en LL, il faut oublier toutes les choses qu'on avait acquises et qui ne servent à rien, et puis aussi, il faut jeter tous les tokens qui arrivent, jusqu'à ce qu'on arrive sur un token qui a une chance de pouvoir plaire à celui qui a appelé exp. Et on avait dit on va jeter tout le monde jusqu'à follow de expression. Vous vous souvenez de ça? En LR, il faut faire la même chose, on est dans la même situation. Ce n'est pas la même technologie, mais c'est la même situation. On a accumulé des gens sur la pile qui demandaient traitement. On a des gens qui sont sur le flux d'entrée qui demandent à rentrer. Eh bien, il va falloir nettoyer la pile et le flux d'entrée de façon à ce qu'on ait une petite chance de pouvoir continuer. D'accord? Ok. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Là, on est dans un cas qui est vachement facile. Notre calculatrice, il faut qu'elle jette sur les flux d'entrée. Où est-ce qu'on va lui dire? Là, c'est bon, tu as assez jeté. A priori, on a fait notre prix sur erreur. Dans la calculatrice interactive qu'on est en train de faire, ici, où est-ce qu'on a un token qui paraît bien matérialiser le fait que, bon, on oublie tout ce qui est devant parce que, de toute façon, on ne va pas s'en sortir. Mais là, on a une chance de pouvoir reprendre. Le retour à la ligne, backslash n, notre end of line. Il est un bon signe du fait que, bon, allez, on jette tout ce qui était devant, on n'avait aucune chance de continuer. D'accord? Donc, on a un token de synchronisation qui est là pour dire, bah voilà, on va jeter tout ce qui est là. Et côté pile, qu'est-ce qu'on va jeter de notre pile? S'il était marqué 1 plus 2 et il y a un token qui arrive qui n'est pas bon. Le 1 plus 2, ils sont là, ils sont en attente. Pourquoi ils sont, enfin, pas le 1 plus 2, ce sera exp fois exp plus exp. Mais pourquoi ils sont en train d'attendre ce exp plus exp? Ben, c'est hyper important d'attendre parce que s'il y a une étoile qui arrive, c'est l'étoile qui va être prioritaire, il ne faut surtout pas faire l'addition tout de suite. Et si c'est autre chose, alors là, il faudra faire l'addition. Mais en tout cas, ils sont posés, ils sont là. Le 1 plus 2, ils sont sur la pile, ils attendent, et là, il y a une parse error qui arrive. Il va falloir les gicler. Si on décide de flinguer la ligne complète, ben, il faut flinguer tout ce qui est un préfixe de ligne, si vous voulez. D'accord? Bon, heureusement, on n'a pas à faire ça, nous. Parce que tout ce que je viens de vous raconter, ça veut dire qu'il faut popper dans la pile jusqu'à un truc qui ressemble au début de ma règle actuelle. Les règles actuelles, c'est line. Les règles actuelles, c'est je suis dans une line. Et ensuite, il va falloir jeter tous les tokens jusqu'à ce qu'on arrive à end of line. D'accord? On ne peut pas faire ça. C'est trop bas niveau. C'est à votre outil à le faire pour vous. Et comment il fait ça? Ben, vous lui donnez un token magique. Vous lui donnez un token magique, ici, qui s'appelle Error, qui est une sorte de wildcard, c'est une sorte de point étoile. Il va d'abord popper tous les gens qui sont sur votre pile jusqu'à ce qu'on puisse retrouver finalement le point de départ de la règle line, si vous voulez. Et il va aller tout bouffer jusqu'à ce que, ici je vais lui donner un terminateur, end of line. D'accord? Et ça, c'est magique. On recompile. 1 plus plus, syntaxe error. 2 plus 3, 5. On a fait notre prise sur erreur. Il a jeté tous les gens qui étaient sur la pile. 1 plus plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. 12. Il a bien détecté qu'il fallait jeter de la pile le 1 plus qui était installé. Et il a aussi détecté qu'il fallait jeter le plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 qui était juste derrière. On a réussi notre reprise sur erreur. D'accord? La reprise sur erreur, étant donné que error est quelque part wildcard,
quelque part, il va popper dans votre pile et puis il va popper aussi sur le flux d'entrée. Trouvez-lui des endroits où il est maîtrisé à gauche et puis maîtrisé à droite. Dans un langage de programmation, évidemment, on ne va pas dire retour à la ligne, ça ne veut rien dire. Dans votre projet Tiger, vous n'allez pas dire je tue la ligne actuelle, ça n'a aucun sens d'un point de vue syntaxique, les lignes. Où est-ce qu'on va typiquement trouver un bon marqueur de gauche et un bon marqueur de droite? Les parenthèses, par exemple, ben, on va le faire. On va dire, si jamais j'ai une erreur entre deux paires de parenthèses, eh ben, je veux la maîtriser. D'accord? Et là, si je recompile, alors déjà, il me fait un warning, mais il y a quelque chose de pas sympa qui se passe. Je fais exprès de ne pas vous montrer le warning parce que c'est mon propos. 1 plus 2 fois 1 plus 2 plus 3 fois 7. Enter. Ah oui, j'ai oublié de mettre une faute dedans. Excusez-moi. J'étais surpris qu'il réponde. Oh! Alors là, il y a quelque chose de vraiment un peu étonnant. Est-ce que vous voyez où est le souci? En fait, il y a deux soucis, mais il y en a un qui peut-être est celui qui vous gêne, et moi, il ne me gêne pas. Il a donné une réponse, et ça, c'est étonnant. Le vrai souci, il est plutôt là. Avertissement, conflit de type sur la valeur par défaut. Eh oui. Qu'est-ce que c'est qu'une reprise sur erreur? Ça, je parle de TC, là. Je parle du Tiger Compiler. Il y en a certains, vous allez souffrir là-dessus si vous n'écoutez pas ce que je raconte. La reprise sur l'erreur, c'est faire en sorte que quand on a une erreur, le compilo puisse continuer d'avancer et de donner des renseignements à l'utilisateur. D'accord? Mais pour que le compilo puisse continuer à avancer, il faut lui fournir quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est légitime. D'accord? Et si, par exemple, vous dites... Ici, il y a une expression cassée et que vous êtes en train de fabriquer un arbre. Là, finalement, on n'a aucun danger. On ne fabrique pas des arbres. Il n'y a aucun pointeur là-dedans. Je calcule des entiers. Mais le jour où vous allez fabriquer un arbre et que vous dites ici dans cette paire de parenthèses, oh, bah, tu sais, cette paire de parenthèses, elle est cassée et que vous laissez un void étoile qui se balade n'importe où dans la mémoire, ben votre type checker, quand il va arriver là-dessus, ça va lui faire hyper mal. Il va exploser, il va déréférencer votre pointeur, atterrir dans la nature. Votre programme va segfaulter. Alternativement, vous pourriez dire, oui, bon, ben, c'est pas grave, mon pointeur, je le mets à zéro. Vous n'avez pas gagné non plus. Vous n'avez pas gagné non plus, pourquoi? Parce que du coup, tout votre type checker, il va passer sa vie à regarder, est-ce que mon pointeur est nul avant de le descendre, etc. Vous n'avez pas envie de ça. Le but de la reprise sur erreur, c'est de pouvoir continuer et de donner aux autres modules du compilateur quelque chose qui est un best effort de donner une valeur qui a du sens. Et donc en particulier, là, mon expression, elle est déclarée de type entier. Ben, ma règle de reprise sur erreur, il faut qu'elle fournisse un entier valide. D'accord? Moins 1 ou effectivement, ou moi j'aime bien... hop. J'aime bien des trucs du genre bien visuel. Ici, ça n'a pas bien marché. Voilà. D'accord? Ctrl D. 1 plus 2 plus 3. Voilà, on a... Bon, là, le 666, il est parti dans quelque chose, mais vous pouvez mettre moins 1, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez une erreur qui permette de continuer. Évidemment, si vous voulez faire un compilateur qui soit vraiment, vraiment utile pour l'utilisateur, on ne vous demande pas de faire ça dans TC, mais imaginez que GCC, il remplace tous vos morceaux d'expression qui ne marchent pas par 666. Et qu'après, bah, au moment du type checking, il va peut-être vous dire, hey, ton 666, tu es en train de faire un test d'égalité avec un flottant. Et vous allez regarder en disant, mais d'où il vient ce 666, je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit, etc. Donc, dans les vrais compilateurs, ce que vous faites en général, c'est que vous inventez un nœud d'AST, vous inventez un type de nœud, pas nul, vous inventez un vrai type, mais qui dit ici il y avait une erreur, de façon à ce que le type checking se passe bien, mais quand vous détectez que vous êtes en train de faire par exemple du type checking avec erreur et autre chose, ben vous ne mettez pas d'erreur. Mais en revanche, si c'était un test d'égal, ben vous savez qu'il faut quand même remonter un booléen et vous pouvez continuer à faire du type checking sans embêter l'utilisateur en lui disant hey, tu es en train de comparer un float avec un int ou des choses comme ça. C'est clair pour vous? Gardez ça en tête. La reprise sur erreur,
c'est donner à votre compilateur l'illusion que vous avez totalement maîtrisé tous les phénomènes d'erreur et il peut continuer comme si l'arbre était normal. D'accord ? Donc vous devez fournir une valeur sémantique. Contrôle D. Oh, dis donc. Là, on a un problème. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a la test suite qui dit hey, « ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. » Pourquoi ça marche plus ? Parce qu'on a fait de la reprise sur erreur, et quand on fait de la reprise sur erreur, après, on a terminé sur succès. On a terminé sur succès. D'accord ? Bon, il faut qu'on enregistre le fait... Une reprise sur erreur réussie, c'est une... Enfin, on a réussi, quoi. Donc là, je veux faire quelque chose de différent. Et en plus, mon parseur, j'aimerais bien qu'il me retourne la valeur. J'aimerais bien qu'il me dise, si je lance un calcul, j'aimerais bien qu'il me donne ce, 600, enfin, qu'il me donne ce 7, 1 plus 2 fois 3 égale 7, plutôt que de l'envoyer dans stdout. Comment on fait pour communiquer avec un parseur? Alors, pour communiquer avec un parseur, on va commencer par dire parse param. Je vais te passer... une référence sur entier, et tu seras gentil d'aller y stocker le résultat. D'accord ? Bon, évidemment, ça veut dire que ici, je vais avoir besoin d'un entier. Et puis, je vais le passer par référence ici. D'accord ? La valeur de retour, elle est là. Je veux faire return de res, mais éventuellement, si j'ai un vrai résultat, je veux pouvoir l'afficher. Ça vous va, ça? Ce intref, il faudrait que je le remplisse quelque part. Par exemple, ici, ça paraît pas mal, hein, de dire que la valeur de ma ligne, c'est l'expression. Que la valeur de ma ligne ici, il faut que j'en invente une. D'accord? Ce qui veut dire que non seulement il y a exp, mais il y a aussi line qui a une certaine valeur. Et ici, je veux dire que result est égal à $line. On est d'accord? Oui? Ce serait pas mal de dire, si jamais il y a un input vide, result, je sais pas, on invente une valeur, bon, ça c'est autre chose. Vous êtes d'accord avec ça? Je recompile. Ah oui, j'ai pas activé le mode C++11. Non, int. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui lui plaît pas? Oui, effectivement, excusez-moi. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Result devient un attribut de la classe. Il a été capturé par la classe et non pas par l'appel de fonction. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait qui lui plaît pas? Ce serait bien de commencer par donner le result avant de l'appeler. Et tu dis quoi? Ah oui, et puis result... Ok, too many arguments. Là encore une fois, on est d'accord avec ça, c'est normal. Calc, 1 plus 2, enter, 3 plus 4, contrôle D. Result 7. On est d'accord? Il me retourne bien le dernier résultat. Ce qui est un petit peu... Ce serait bien aussi qu'il affiche les résultats intermédiaires, mais au moins, ma fonction, elle est capable... Mon parseur, je suis capable de faire une communication avec lui. Le problème, c'est qu'on avait dit 1 plus plus suivi de 1 plus 2, contrôle D. On aurait voulu se souvenir qu'il y avait une erreur. Là, du coup, vous voyez comment il faut faire. Hein. Si vous voulez vous souvenir qu'il faut faire une erreur, ici, vous voudriez dire « et il y a une erreur supplémentaire ». Et le nombre d'erreurs, ça va devenir encore un autre paramètre. Le nombre d'erreurs, c'est 0 à l'origine. D'accord ? Et je passe deux entiers, deux références d'entiers à mon parseur. Parse param, j'ai un deuxième, c'est le nombre d'erreurs. D'accord ? Et quand j'affiche un message d'erreur, je retiens le fait que j'ai un message d'erreur supplémentaire. Et quel est mon exit status ? Mon exit status, c'est je veux que résultat ait réussi et je veux que le nombre d'erreurs soit égal à 0. Et je veux. And. Attendez. Oui, c'est ça. Non, où ? Vous êtes d'accord? Bang bang, vous avez l'habitude de bang bang, ça sert à quoi bang bang? Point d'exclamation, point d'exclamation. Pardon?
Voilà, c'est pour normaliser un entier sur 0,1. 0, avec le bang, il devient 1, et avec le rebang, il devient 0. Et tous les autres que 0, 42, il devient 0, puis après, il devient 1. Bang, bang, c'est la façon habituelle de normaliser un entier sur 0 et sur 1. Donc ici, je dis, s'il y a une erreur ici, ou s'il est faux que j'ai 0 erreur, alors, enfin, je vais peut-être l'écrire d'une autre façon. Hein. Si j'ai une erreur, ou que j'ai des messages d'erreur, alors ça, ça me fait une erreur. Vous êtes d'accord comme ça? Oui? Ce qui montre bien qu'en fait, c'était un « et » que je voulais. Donc, c'est parti. 1 plus plus, syntaxe erreur, contrôle D, et ça marche pas. Super. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai bien passé la référence là-haut? Oui, j'ai passé la référence. Pardon? Alors, je veux que res soit égal à 0 et que... Oui, c'est un et, t'as raison, merci. Et que le nombre d'erreurs soit égal à 0. Oui, mais non, parce que dans ce cas-là, je veux retourner 0. Bon, qu'importe. J'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Voilà, cette fois-ci on a bien mon exit de 1. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc c'était bien un point d'exclamation. On avait bien un point d'exclamation ici, mais qu'importe. Il y a encore un problème qu'on a. Mon exit status est positif. Enfin, succès. Pourquoi? Parce que je n'ai pas remarqué qu'il y avait un message d'erreur ici. J'ai pas envoyé mon message d'erreur. J'ai pas armé mon nombre d'erreurs. Comment faire? Il faudrait que mon scanner ici, il puisse dire, j'ai des erreurs. D'accord? Ce qui veut dire que cette fois-ci, non seulement je veux que échanger l'information nombre d'erreurs entre l'extérieur et le parseur, mais aussi entre le parseur et le scanner. Alors, il faut que j'aille prévenir mon parseur que, tu sais, j'ai aussi un lexparam qui s'appelle nrs. Je recompile tout. Ça devrait péter dans plutôt pas mal de sens. Il me dit, ouais, mais attention, maintenant, tu es en train d'appeler yylex en lui donnant un argument supplémentaire. Bah oui, le nrs, il faut bien le faire passer. Là, il y a mon parseur qui veut donner le nrs à mon scanner. Et en même temps, j'ai dit que yylex ne prenait pas d'argument. Je l'ai dit ici. Donc il faut que je corrige. Mon scanner, maintenant, il prend un argument qui s'appelle nombre d'erreurs. D'accord? Ok. Youpi. Cette fois-ci, on a bien l'exit status qui est correctement attrapé. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Il me reste malheureusement les locations à faire et je ne sais pas si on va avoir le temps. Le YY error, il n'a plus rien à faire là. Le truc qui manque singulièrement là-dedans, dans tout ce qu'on a fait, c'est quand on a un programme avec plusieurs expressions, de dire quelle est la ligne dans laquelle il y a eu une erreur. On n'est pas capable de le faire pour l'instant. Et je voudrais le faire avec vous, mais ça prend un peu de temps. Est-ce que vous êtes prêts? Soit je le fais très très vite. Bon, allez, on va essayer de le faire très très vite. Je vais commencer par dire à Bison que, et maintenant, je veux faire des suivis de locations, d'accord? Ça va changer pas mal de choses, comme par exemple le fait que yy-error, maintenant, il va me donner une location. La location, elle est donnée, alors je ne sais plus si elle est donnée devant ou derrière. On va dire que c'est une const location. On va dire qu'elle est donnée devant, on va voir si j'ai raison ou pas. Et il va falloir l'afficher avant le message d'erreur. Manifestement, j'ai eu de la chance, je suis du bon côté. 1 plus plus, hop. Il me dit que j'ai une erreur entre la ligne 0 et la colonne 0. D'accord? Le 2 points, je l'ai mis devant? Non. Donc ici, il a envie de me renseigner, sauf que l'erreur, elle n'est pas là, quoi. Si je dis 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus plus,
L'erreur, elle n'est pas en ligne 0, colonne 0. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le fait que pour l'instant, mon scanner ne me donne aucune information sur la location des gens. D'accord? Alors comment on fait ça? Je crois qu'on ne va pas y arriver, c'est trop ambitieux là. Dans les 5 minutes qui restent, sachant qu'il y a les autres qui veulent rentrer, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête là. En 5 minutes, c'est pas possible, et vu qu'il y a une réunion ici juste après, je préfère vous lâcher. Est-ce qu'il y a des questions? Et on continuera ici à partir la fois prochaine. Oui. Oui. Je n'entends pas bien là, s'il vous plaît. Ça paraît un peu perturbant pour l'instant de mélanger les instructions pour le parseur. Oh ! Mélanger les instructions pour le parseur et des actions de retour, des actions effectuées et des règles. Attends, tu parles des accolades qui sont ici ? Là, je ne partage pas ton avis, on fait difficilement plus clair. Hein. Je suis vraiment en train de dire, quand j'ai un plus, je veux faire une addition. Dans ton compilateur, tu verras, quand j'ai un plus, je veux assembler un arbre qui fait... Tiens, vous avez peut-être envie de jeter un petit coup d'œil à ce que sur... Est-ce que c'est bien raisonnable de montrer un petit peu le scanner, le parseur de TC? Ouah, ça coûte pas grand-chose. Voilà, on va chercher plus, par exemple. Voilà, ici, on va dire, quand j'ai un nœud plus... je veux fabriquer une addition entre l'arbre de gauche et l'arbre de droite. D'accord? Les deux arbres sont là et ils sont liés par une opération d'addition. Les dollars at là, qui sont là, justement, c'est ceux dont on allait parler, c'est les locations. C'est-à-dire, je fabrique un nœud et en plus, je précise que ce nœud, il correspond à cette ligne et colonne dans tel fichier, jusque cette ligne et cette colonne dans tel autre fichier, etc. Donc vraiment, c'est super concis, je ne vois pas comment on pourrait le dire d'une façon plus intelligible et plus claire. Mais effectivement, c'est quelque chose qui mélange d'un côté le monde de la théorie des langages et de l'autre côté le monde de langage de programmation. Dans les accolades, c'est du C ou du C++ ou du Java ou du whatever. Et dans la partie qui est à gauche, en revanche, c'est indiscutablement une partie vraiment grammaire. J'ai répondu à ta question ou c'était pas ça ta question? Oui. C'est vraiment lisible. Là, pour le coup... Non, c'était pas une question de lisible. Alors, tu pensais à quoi? C'était lisible, c'est juste un petit peu... perturbant des marges, je ne pensais pas qu'on allait réfléchir. Il y a des gens qui sont contre ça et qui disent que « separation of concerns », c'est fabriquer l'arbre, c'est une chose, etc. En réalité... Tous les outils qui sont performants, ils te donnent la main pour fabriquer l'arbre que tu veux faire, parce que la seule alternative, c'est que c'est l'outil qui décide de quel est l'arbre à fabriquer, et après, toi, tu te débrouilles avec l'arbre qu'il a fabriqué. Choisis ton camp. C'est ta grammaire, il faut nécessairement que tu puisses préciser, quand j'ai reconnu une règle plus, quand j'ai reconnu une règle étoile, voilà l'action que je voudrais faire. Et le plus simple, c'est quand même d'aller coller l'action directement à l'intérieur. Ce qui veut dire aussi... que c'est une hérésie et c'est une grosse bêtise à mon sens d'avoir des grosses actions qui font plein de choses. Quand vous allez lire les parseurs de certains logiciels libres, etc., tu as une accolade ici et tu as une accolade là et ils font plein de trucs au milieu. Je comprends pas. Il n'y a rien qui t'empêche de faire une fonction et d'appeler cette petite fonction auxiliaire dans ton parsing. Donc en ce qui me concerne, un parseur, ça devrait être hyper léger. Fondamentalement des one-liners partout, quoi. Des trucs qui disent simplement $$ est égal à j'appelle une fonction qui construit un nœud addition à partir de ces deux arguments, mais on devrait avoir, quand vous ferez des design patterns, vous verrez si ça s'appelle des factories, on devrait avoir des factories pour fabriquer les arbres plutôt que d'avoir du code collé de plusieurs lignes. Je suis d'accord avec toi. C'est tout. Bon appétit pour ceux qui vont pouvoir manger et puis à tout de suite pour ceux qui veulent CSI, quoi. Thank you.